Messieurs les députés, bonjour. Juste pour rappel, on a examiné 102 amendements hier. Il nous reste donc 395 amendements à examiner. On vous a envoyé une convocation rectifiée pour ouvrir jeudi matin et après-midi. Je ne désespère pas de pouvoir tout faire demain dans la matinée, mais ça dépendra évidemment de nous tous et de nous tous et de nous toutes. On en tiendra évidemment sans doute compte sur le délai de dépôt des amendements pour la séance qui pourrait du coup être décalé de vendredi à samedi. Monsieur Potier, vous voulez dire quelques mots, c'est ça, avant de commencer? Allez-y, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, et vous ne regretterez pas ma prise de parole parce qu'elle vise plutôt à fluidifier nos travaux. En tout cas, c'est la disposition d'esprit du groupe socialiste. Juste quelques remarques pour solder peut-être des malentendus hier. Ils sont de deux, trois ordres. Le premier, à plusieurs reprises, ont été évoqués par les responsables du groupe majoritaire ou par le ministre, la question de sincérité. Je voudrais juste redire que la souveraineté nationale, la représentation nationale est seule souveraine pour décider de ce qui est sincère ou pas. Et ce procès en sincérité est plutôt malvenu. Il pourrait plutôt provoquer un agacement et du retard. On va se faire confiance pour tous être des chercheurs d'une vérité qui n'est pas établie totalement scientifiquement et que nous cherchons en vérité les uns et les autres. Deuxième élément, on a évoqué à de multiples reprises des controverses sur différentes énergies renouvelables. Et j'ai envie de vous dire, Monsieur le Ministre, il vous appartient, peut-être pas à travers cette loi ou dans la séance, mais d'organiser des lieux où toutes ces questions-là puissent être purgées. Je vous suggère, au nom du groupe socialiste, d'organiser des conférences de solutions sur les crises qui apparaissent de manière disparate sur différentes énergies renouvelables avant que nous levions les obstacles. Troisième élément, vous avez évoqué et critiqué fortement les amendements Orphelin, Panot et Potier que j'avais soutenus sur la question de la sortie des subventions aux énergies fossiles, en évoquant quelque chose qui fait plutôt consensus, c'est le soutien à l'électro-intensif, etc., ou à certaines aides industrielles. Par contre, vous n'avez pas évoqué les autres compartiments des aides publiques aux énergies fossiles. En nous les communiquant, vous nous donneriez des arguments qui élèveraient le débat, notamment pour la séance. Je vous remercie. Merci, Monsieur Potier. L'avenir nous dira si ces remarques ont eu le résultat escompté, qui est de fluidifier les débats. Nous continuons l'article 1er avec l'amendement numéro 113. Monsieur Aubert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Quel plaisir de débuter par un amendement des Républicains. Comme hier. Eh oui. Même si les premiers seront les derniers, comme vous savez. Alors. Ben, moi, je ne sais pas encore. Ça nous arrivera sans doute un jour. Allez. On se concentre, s'il vous plaît. Les derniers sont les premiers. Je savais que je ferais réagir vos collègues, plus que M. Potier. Alors, l'amendement de M. Schellenberger, de mon collègue M. Schellenberger, est un amendement qui propose de mettre un peu de cohérence. Notre véritable sujet, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. On sait que quand on ferme une centrale à charbon, on a un impact direct. On peut mesurer sur ces émissions. On connaît le coût social, le coût économique. Et donc, il serait logique qu'on se donne prioritairement comme mission de fermer les centrales à charbon et que, du coup, le démantèlement des centrales, la fermeture, en tout cas, pardon, des centrales nucléaires, qui, elles, sont décarbonées, arrive en deuxième. Et donc, cet amendement propose qu'aucune fermeture de centrales nucléaires en état de fonctionnement ne soit prononcée avant l'arrêt définitif de toutes les centrales à charbon. C'est quelque part un amendement d'appel auprès du ministre qui a laissé entendre qu'on pourrait peut-être prolonger ces centrales à charbon et de faire en sorte que ce soit le plus rapide possible, de manière à ce qu'il puisse poursuivre cette dénucléarisation que nous combattons. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? Défavorable, Fessenheim sera fermé dès 2020, soit avant l'arrêt définitif des centrales à charbon. Monsieur le ministre. Alors, en l'occurrence, votre question, parce que je pense qu'au-delà de votre amendement, c'est une question, Monsieur Aubert, soit c'est de demander si on va repousser la fermeture de Fessenheim, la réponse est non, on a annoncé la date, et votre collègue Schellenberger d'ailleurs pourra vous le confirmer, puisqu'il était présent le jour où je l'ai fait. Est-ce que l'on va repousser la fermeture des centrales à charbon? Ça pourrait être votre deuxième question. La réponse est également non. Nous l'avons annoncé, confirmé après avoir demandé une étude complémentaire à RTE, parce que tout cela se fait dans un cadre qui est celui de la sécurité d'approvisionnement en électricité des Français. Par ailleurs, je peux vous dire concrètement, la fermeture de Fessenheim, elle est donc programmée pour le printemps-été 2020, premier réacteur en mars 2020, deuxième réacteur entre août et octobre 2020, et pour ce qui est de la centrale à charbon, par exemple, du Havre, le président directeur général d'EDF a annoncé récemment aux salariés de la centrale qu'elle fermerait à l'été 2021. Vous voyez que nous sommes dans la même période de temps. Donc, en l'occurrence, je pense que votre amendement, en quelque sorte, ayant obtenu des réponses, vous pourriez retirer votre amendement. À défaut, l'avis sera défavorable. Monsieur
Aubert, vous le retirez ? Je ne crois pas que toutes les centrales à charbon seront fermées au moment où vous fermerez Fessenheim, si j'ai bien compris. Parce que vous débutez. Quand est-ce qu'elle sera fermée, la dernière centrale à charbon de ce pays, monsieur le ministre ? C'est ça la question. Alors, si monsieur le président m'y autorise, je vous réponds, nous l'avons dit, d'ici 2022. Voilà. La seule chose qui a été dite, c'est que nous veillerons à la sécurité d'approvisionnement et donc il peut y avoir des mises à l'arrêt avec une capacité à avoir quelques heures par an, mais l'activité de production d'électricité par le charbon, elle sera arrêtée. Bien, vous le maintenez, on va le mettre aux voix. Bah oui, puisqu'on n'a pas obtenu. Très bien. Avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Madame Panot, le 439. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est une magnifique transition avec ce qui vient d'être dit par le ministre juste à l'instant, qui veut inscrire l'arrêt définitif des réacteurs de Fessenheim. Au 1er septembre 2020, et vous aviez, monsieur le ministre, tweeté sur cette question en disant qu'elle fermera en deux temps un premier réacteur en mars 2020 et le second en août 2020. Donc je pense que ça va tout à fait dans ce que vous êtes en train de nous dire. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. L'arrêt définitif est prévu pour le printemps été 2020, même si la mise en service de l'EPR de Flamanville prenait davantage de retard. Inscrire une date, à mon avis, d'arrêt dans la loi semble inutile et peu opérationnel. Donc défavorable. Monsieur le ministre. Même argument et même avis que celui du rapporteur. Nul besoin de le mettre dans la loi, c'est déjà décidé. Je mets donc aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Le numéro 2, Monsieur Bazin ? Non ? Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement de notre collègue Vincent Descoeur vous propose la remise par le gouvernement au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2025, d'un rapport évaluant les capacités de notre pays à réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à horizon 2035, 10 ans plus tard, malgré l'augmentation attendue de l'usage des voitures électriques. Et on le voit bien, la consommation électrique du parc automobile des particuliers en France pourrait atteindre 34 TWh, soit la consommation électrique de tout le Danemark. Et le réseau électrique sera-t-il à même de répondre à cette demande ? Faudra-t-il craindre des coupures ? Je crois qu'il est important, alors qu'on discute de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on puisse avoir des trajectoires cohérentes et crédibles. Et c'est pourquoi c'est un amendement constructif qui vous propose d'avoir un regard en 2025 sur la compatibilité des différents objectifs que nous nous fixons. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de demandes de rapport dans ce projet de loi, je le comprends. Pour autant, on n'amènera pas des avis favorables systématiquement. La problématique auxquelles vous faites référence, c'est les scénarios de RTE y répondent, notamment au travers d'un résultat d'étude sur les enjeux de développement de l'électromobilité pour le système électrique. Donc je vous propose de vous référer à ce scénario et d'amener un avis défavorable à votre amendement. Monsieur le ministre d'État. Là aussi, je pense qu'il y a plusieurs questions en une. En réalité, monsieur Bazin, il y a un rapport annuel. On ne va pas attendre 2025 pour faire des rapports. Il y a un rapport annuel qui est fait par RTE, un organisme indépendant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le consulter. C'est extrêmement riche en termes d'informations sur l'équilibre offre-demande. Voilà, c'est ça le sujet permanent. Est-ce que les moyens de production permettent de répondre à la demande ? Premièrement. Deuxièmement, dans la PPE actuelle, dans le projet actuel, je comprends que vous ne l'ayez pas lu, ça fait 400 pages. Mais c'est parce que c'est détaillé, parce que c'est bien renseigné. On ne se lance pas dans une programmation pluriannuelle de l'énergie en sautant dans le vide, les yeux bandés et sans élastique. Donc on a fait énormément d'études et elles sont fournies. Et évidemment, l'augmentation du parc de voitures électriques, cela a été chiffré sur l'impact sur la consommation d'électricité et tout cela a été parfaitement détaillé dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est cohérent. Il n'y a donc pas de nécessité de mettre dans la loi qu'il faudrait un nouveau rapport puisqu'il y en a déjà. Et par ailleurs, je vous rappelle que la programmation pluriannuelle de l'énergie est faite pour une période de 10 ans, mais avec une clause de revoyure à 5 ans. Nous sommes en 2019, la clause de revoyure sera donc 2024. Et donc, ce sera de fait satisfait. Je pense donc que vous pouvez le retirer, sinon avis défavorable. Monsieur Bazin, vous le retirez ?
Monsieur le Président, je m'engage à inviter mon excellent prédécesseur François Brotte à nous commenter le rapport RTE régulièrement, si vous voulez. Comme il très bien, mais c'est, vous savez, RTE a une mission, et la mission du gouvernement n'est pas la même. Le gouvernement a la responsabilité des moyens. Vous mettez en place un certain nombre de dispositifs, notamment des dispositifs fiscaux d'un côté. De l'autre, vous mettez un certain nombre de normes et contraintes. Et cette mise en cohérence à la fois des objectifs et des moyens ne relève pas d'RTE, qui est là pour constater offre et demande sur son réseau, et c'est très bien. Mais tous les dispositifs, toutes les normes ne dépendent pas de RTE, elles dépendent du gouvernement. Et je crois que ce serait intéressant que le gouvernement se sente responsable aussi de tout cet accompagnement. Je vais retirer mon amendement en vue de la séance, mais je crois que c'est important que chacun garde ses missions. Merci. Le 126, Monsieur Besson-Moreau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors on va quitter un petit peu le monde des centrales nucléaires. Puis on va aller faire un petit tour dans nos belles forêts françaises avec cet amendement, Monsieur le Ministre, en effet. La cogénération bois au rendement fait partie des solutions les plus efficientes pour compenser la diminution de la part du nucléaire, tout en respectant l'objectif de neutralité carbone. Ces installations ont en effet la capacité de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité, permettant d'obtenir un coût à la tonne de carbone évité parmi les plus bas et des taux de disponibilité depuis 90%, même en période de forte demande. Troisième massif d'Europe et recouvrant 31% du territoire, la forêt française représente un volume, Monsieur le Ministre, extrêmement important de stockage de bois énergie, tout en assurant la fonction de puits carbone. Aussi, alors que le gouvernement propose de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité, il est proposé, à travers cet amendement, de demander au gouvernement un rapport d'évaluation d'ici le 31 décembre 2025, donc on a le temps, portant sur la contribution de la cogénération bois à haut rendement à la réalisation de cet objectif. Monsieur le rapporteur dit qu'on n'accepterait pas tous les rapports, mais je suis persuadé que celui-ci sera accepté. Monsieur le rapporteur. J'ai peur de décevoir mon collègue Besson-Moreau en fait, en demandant des rapports complets sur chaque type d'installation d'ENR, on va complexifier le travail du gouvernement. Je partage par contre à titre personnel les orientations de la PPE. Pour le bois, la priorité doit être donnée à l'utilisation en chaleur dans un réseau de chaleur ou pour produire de la chaleur industrielle. La cogénération ne doit être réalisée que dans des cas particuliers et la cogénération au rendement est à privilégier dans ce cas. Vous m'excuserez, Monsieur Moreau, mais Besson-Moreau, pardon, mais j'amènerai un avis défavorable. Alors, c'est pas le même Moreau. Hein. Monsieur le ministre d'État. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Besson-Moreau, j'approuve à 100% ce qui vient d'être dit par Monsieur le rapporteur. J'ajoute que les installations de cogénération utilisant des déchets de bois pour produire de la chaleur et de l'électricité, ça concerne essentiellement les scieries. Et donc c'est vraiment un marché de niche, si on peut dire. Et moi je suis favorable d'ailleurs à ce qu'on trouve des solutions pour cela. Par ailleurs, d'une manière générale, on considère que la capacité, enfin en tout cas aujourd'hui, la capacité installée des cogénérations bois est de 0,5 gigawatts, à comparer aux 63,2 gigawatts qui concernent le nucléaire. Donc on n'est pas dans les mêmes échelles de volume. Ceci étant dit, je partage le reste de votre argumentation sur la filière bois-énergie. Et comme l'a dit le rapporteur, la filière bois et forêt française, qu'il faut absolument d'abord structurer, ensuite développer, et parce qu'elle contribue d'une part à, c'est un puits de carbone naturel pour capter du CO2, et d'autre part, c'est une ressource renouvelable pour la production de bois construction, et là aussi on réduit l'impact carbone de la construction, et par ailleurs de bois énergie pour les chaufferies bois, les réseaux de chaleur, ça c'est extrêmement positif, et là nous avons des dispositifs extrêmement incitatifs au travers du fonds chaleur. Vous le maintenez, Monsieur Besson-Moreau? Non, je vais retourner méditer votre réponse en forêt. Merci, vous avez le suivant, le 128. Il est retiré, du coup. Un amendement qui fait l'objet d'un sous-amendement, le 23. Madame Sarle, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, cet amendement a été vraiment soutenu par l'ensemble des membres de notre commission. Et donc je voudrais vraiment me faire le porte-voix de notre présidente Barbara Pompili, qui malheureusement n'est pas parmi nous, juste pour faire un petit rappel, pour nous rappeler que notre consommation d'énergie a baissé de 0,4% depuis 2012 et que notre objectif c'est 20%. Or, si aujourd'hui nous demandons des efforts aux ménages, aux particuliers, c'est bien normal, hein, notamment sur les logements, il faut que l'effort national pèse également sur d'autres types d'acteurs.
et cette baisse de consommation doit concerner absolument tout le monde. La société civile et certaines structures publiques ont déjà travaillé sur le sujet de ce qu'on appelle les usages superflus et non prioritaires de l'énergie. Aujourd'hui, on a des magasins qui sont illuminés toute la nuit, on a des ordinateurs qui tournent. Il nous semble indispensable que le gouvernement fournisse un rapport sur ces usages non prioritaires et superflus, de façon à ce que derrière, nous puissions prendre un certain nombre de mesures pour économiser aussi sur cette énergie superflue. Je vous remercie. Madame Panot, pour votre sous-amendement 708. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un sous-amendement qui va plus loin que celui qui a été présenté à l'instant par les collègues de la Commission du développement durable, même si, bien sûr, nous sommes en accord avec celui-ci. Mais je pense qu'il faut maintenant aller plus loin et qu'un certain nombre d'usages énergétiques qui ne remplissent pas des besoins pour les citoyens doivent être purement et simplement interdits. Alors certains ont été nommés à l'instant. Il y a les supports publicitaires numériques que RTE lui-même qualifie de superflu et non prioritaire. Et puis sur l'éclairage nocturne, notamment des bureaux, mais il y en a d'autres qui, selon nous, devraient maintenant être interdits si nous voulons être à la hauteur de la situation. Merci. Monsieur le rapporteur, sur le sous-amendement, puis sur l'amendement. Alors, je vais le faire dans l'autre sens, si vous me le permettez, Monsieur le Président. L'amendement de Madame Sarr, je partage votre avis sur la sobriété et sur la nécessaire intégration de la maîtrise de l'énergie par l'ensemble, finalement, par la collectivité dans son ensemble. Néanmoins, un rapport, je ne pense pas qu'un rapport serait utile pour répondre et pour faire changer les pratiques. Et puis, la notion d'usage superflu et non prioritaire est difficile à appréhender. En fait, elle est subjective. Je pense que si on avait à en débattre au sein même de cette commission, et du coup, ça me permet de répondre à l'amendement de Madame Panot, on n'aurait pas tous le même avis sur ce qu'est le superflu et le non prioritaire. Voilà. Et Madame Panot, donc j'y serais défavorable. Et Madame Panot, selon la position que vous avez, si vous êtes un régisseur de publicité, bah vous allez vous dire que pour le coup les panneaux sont nécessaires. Si vous êtes de l'autre côté, vous direz que c'est absolument superflu et pas nécessaire. Voilà. Donc j'y apporterai un amendement défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Même explication et même avis. Madame Bateau, puis Madame Panot. Oui, je vais soutenir la position du rapporteur contre cet amendement au bénéfice en fait des amendements CE343, CE325, CE352, CE341 qui inscrivent dans la loi par exemple l'interdiction des panneaux publicitaires lumineux, des chauffages dans les bâtiments de bureaux la nuit quand il n'y a personne, des vitrines éclairées qui ne servent à rien. Donc il n'y a pas besoin de demander un rapport. Comme on est dans une situation d'urgence écologique reconnue, on peut, dans le cadre de cette loi, voter ces dispositions. Merci, Madame Bateau, de défendre par avance des amendements qui ne sauraient tarder. On va essayer quand même de se concentrer sur les amendements courts, s'il vous plaît. Je souhaite qu'on accélère, tout en restant efficace. Madame Panot. Merci, Monsieur le Président. Oui, bien évidemment, on soutiendra les amendements qu'a indiqué à l'instant Madame Bateau. Après, Monsieur le rapporteur, sur la question de dire que ça ne changera rien sur les comportements et que selon si on est dans telle ou telle position, on trouvera ça superflu ou non, vous pouvez admettre qu'il existe un intérêt général et que ce n'est pas la somme des intérêts particuliers et que quand même, à un moment où nous sommes dans une crise écologique sans précédent, que nous ne pouvons pas continuer à avoir notamment de la publicité lumineuse dans le métro, dans les différents espaces publics, que ça n'a aucun intérêt et que si vous avez inscrit au début de ce texte l'urgence écologique et climatique dans ce texte, alors il faut absolument interdire ces pratiques. Ce qui n'est pas l'objet de l'amendement en question, si je ne m'abuse. C'est un rapport. Bon, je vais mettre aux voix cet amendement. Madame Pompili, vous arrivez à temps pour prendre la parole, si vous le souhaitez. Mais il a déjà été défendu par la Madame Sarr, mais je ne veux brimer personne. Hein. Je veux juste garder le rythme. Il a été certainement défendu avec talent par Madame Sarr. Et je suis sûre qu'il a suscité l'intérêt de tout le monde, parce qu'enfin, il faut qu'on s'occupe des consommations inutiles qui sont considérées comme normales par tout le monde, alors qu'on a des pointes à gérer qui sont une de nos grosses problématiques. Bien, je vais donc mettre aux voix ce sous-amendement d'abord qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui vote pour, qui vote contre, il n'est pas adopté. Et l'amendement non sous-amendé qui fait l'objet des mêmes avis
Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté. Madame Panot, le 377. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais le présenter rapidement parce que c'est encore un rapport, mais je pense que c'est un rapport sur une question qui est extrêmement importante sur la méthode en termes de rénovation énergétique. Alors, il y avait eu dans le plan annoncé par Monsieur Hulot des ambitions qui avaient été annoncées sur la transition énergétique avec notamment 500 000 logements par an à partir de 2017 et avant 2025, les 7 à 8 millions de passoires thermiques du parc privé qui seraient rénovés avec un effort particulier sur l'éradication des 1,5 million de passoires thermiques habitées par des ménages propriétaires aux faibles revenus. Leclerc constate que cette rénovation énergétique est aujourd'hui au point mort et que ces objectifs ne seront jamais atteints. Dans la méthode qui est utilisée, ce sont beaucoup des niches fiscales qui sont utilisées pour inciter. Je pense qu'il faut aller au-delà de l'incitation maintenant, avoir des règles claires dans la loi et notamment des réglementations, et qu'il faut faire le bilan de cette méthode qui est un échec, et donc savoir comment nous allons agir sur un sujet qui concerne à la fois le bien-être de millions de personnes dans ce pays et à la fois l'urgence écologique devant laquelle nous sommes. Monsieur le rapporteur. Alors j'y suis défavorable, pour autant je vous propose de vous référer à un amendement, le CE700, où je demanderai donc au gouvernement un bilan sur l'atteinte des objectifs de rénovation pour voir concrètement comment nous avançons, et ce chaque année. Donc je vous demande de le retirer au profit de cet amendement qu'on verra plus tard. Monsieur le ministre d'État. Même avis et même vote. Madame Panot, vous le maintenez ? Et donc je vais le mettre aux voix. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Madame Sarl, pour le 40, qui fait également l'objet d'un sous-amendement. Attendez, allez-y. Pardon, Monsieur le Président, je vous remercie. Ici, l'objet de cet amendement, c'est de réfléchir au plan de rénovation énergétique des bâtiments et de réfléchir surtout à la façon dont on pourrait le faire coïncider avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, puisqu'il serait intéressant que ce soit un document qui soit adossé à la programmation pluriannuelle de l'énergie, et pour qu'il soit plus lisible et plus efficace. Et l'objectif serait bien sûr de faire cesser les différents coups d'arrêt qui sont dus à la multiplicité et à la complexité des dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui sur la rénovation énergétique des bâtiments. Aussi, ce que nous proposons dans cet amendement, et pour ne pas entraver la publication donc, de la prochaine PPE, c'est que ce report soit obligatoire après donc, 2022, soit pour la prochaine PPE, c'est-à-dire qu'on ne touchera pas la PPE actuelle, mais qu'il sera adjoint à la prochaine PPE en 2022. Merci, Monsieur Orphelin, pour le 720. Merci, c'est un amendement qui va très clairement dans le bon sens. Mon sous-amendement propose par contre de commencer dès 2019, comme il était proposé dans l'amendement initial de la collègue Barbara Pompili. C'est très important qu'on ne prenne aucun retard sur la feuille de route rénovation énergétique. Et donc, il faut qu'on travaille et qu'on y travaille dès maintenant à ce couplage PPE feuille de route rénovation énergétique. Il propose donc 2019 au lieu de 2022. Monsieur le rapporteur. 2019, Monsieur Orphelin, me semble un horizon de temps, même si l'urgence, on la partage collectivement, et je crois qu'elle a fait l'unanimité dans cette salle, est un horizon de temps vraiment très, 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 très court. Aussi, je vous demanderai de retirer cet amendement. En revanche, sur l'amendement de Madame Sarl, donc le CE40, j'y apporterai un regard bienveillant et je soumettrai à mes collègues. Donc, sagesse. Monsieur le ministre, sur le sous-amendement, puis sur l'amendement. Alors, sachant que dans l'amendement présenté par Madame Sarl, il n'y a pas de date indiquée, mais enfin, en l'occurrence, comme vous le savez, on y reviendra, je pense, dans la discussion, il y a de nombreuses actions que l'on veut intensifier pour la rénovation énergétique. Donc, sur l'amendement présenté par Madame Sarl, je partage l'avis du rapporteur, qui a un avis de sagesse. Madame Bateau. Allez-y. Je crois que la question politique qui est posée, c'est ce qui est fait maintenant pour la rénovation énergétique. C'est pas de prévoir une feuille de route qui concernera le gouvernement futur et la majorité future. Ok. Madame Sarl.
Oui, dans l'amendement, Monsieur le Président, juste pour vous spécifier, il est marqué en 2022. Hein. OK, donc je vais mettre aux voix l'amendement, le sous-amendement 720 qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui vote pour. Je mets donc aux voix le sous-amendement 720 qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui vote pour, qui vote contre. Il n'est pas adopté. Le 40 qui fait l'objet d'un avis de sagesse du rapporteur et du gouvernement qui vote pour, qui vote contre. Il est adopté. Nous allons, mesdames et messieurs les députés, mettre aux voix l'article 1 de ce projet de loi. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'article 1er est adopté. Nous entamons l'examen d'articles additionnels après l'article 1 par une série d'amendements pouvant être soumis à discussion commune. Le 460, Monsieur Bolo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc avec cet amendement, il s'agit d'inscrire dans la loi le principe d'une programmation pluriannuelle de l'énergie. Comme je l'évoquais hier lors de la discussion générale, j'avais bien entendu votre réponse, Monsieur le Ministre, mais j'ai vu que Monsieur le Rapporteur pouvait avoir une ouverture sur le sujet. Donc 5 raisons justifient cet amendement. La première, c'est rationaliser le travail parlementaire en évitant la dispersion des dispositions du Code de l'énergie, comme on a pu le vivre avec Egalim, Pacte, etc. Le Parlement, deuxième raison, est bien le lieu de débat sur des sujets qui relèvent de la souveraineté nationale, comme c'est le cas pour les sujets de l'énergie. Troisième élément, le débat permettrait d'accroître la concertation et l'acceptabilité des orientations énergétiques. Quatrième justification, cela fonctionne déjà, avec par exemple les lois de programmation défense et justice. Et puis, cinquième et dernier élément, ça permettrait de redonner de la place aux parlementaires dans les débats sur l'énergie. Pratiquement, comment cela se manifeste-t-il ? Par un rapport annexé fixant les objectifs, par un volet budgétaire et par la définition des modalités de contrôle et d'évaluation parlementaire. Merci. Madame Bateau pour le 295. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes nombreux à souhaiter que la programmation de l'énergie fasse l'objet d'une loi de programmation et non pas d'un décret. Merci. Monsieur Aubert, pour le 147, le précédent n'est pas défendu. Oui, effectivement, je crois qu'il y a un problème de positionnement du Parlement sur ces programmations pluriannuelles de l'énergie. Quelques parlementaires ont la chance d'assister au Conseil supérieur de l'énergie, où ils sont consultés, mais ça n'est pas véritablement une procédure parlementaire. Et finalement, nous avons voté la loi de transition énergétique, et puis ensuite, la mise en œuvre concrète, eh bien, elle se déroule sans nous. Avec quelque chose d'ailleurs qui est assez frustrant, c'est de voir tous les secteurs nous voir, nous tenant au courant, plus ou moins d'ailleurs directement, des négociations qui se passent dans les ministères en disant « nous souhaiterions que le biogaz soit à tel pourcentage, voilà les argumentaires qui plaident pour telle ou telle filière », et en sachant que finalement, nous sommes très périphériques dans ce dispositif. Alors, pour les Républicains, nous avons fait un article qui est peut-être plus concis, mais nous, si on est d'accord sur le principe, à la lecture des autres amendements, et notamment de l'amendement de M. Bolo, en fonction de la discussion, nous serions prêts à éventuellement nous retirer pour permettre le passage d'un amendement consensuel. Merci, M. le rapporteur, sur ces différents amendements. Comme je vous l'avais indiqué hier, on est en train de faire une rédaction donc pour la séance. Je pense qu'on partage unanimement l'idée que les parlementaires doivent être nettement plus associés à cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Il faut arriver à trouver le juste équilibre entre l'implication des parlementaires, la discussion des parlementaires et l'influence qu'ils peuvent avoir sur la trajectoire qu'on se fixe versus celle qui avait été fixée auparavant. Je sais que M. Aubert prend assez régulièrement l'exemple du train. Moi, je pense qu'on n'est pas là uniquement pour voir si le train est arrivé à l'heure. On est aussi là pour le réaiguiller, pour qu'il arrive à l'heure à la prochaine gare, en matière de programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour autant, il ne faut pas transformer les parlementaires en techniciens. Et c'est le juste équilibre qu'il va falloir trouver. Grandes orientations et détails techniques qui ne sont pas, à mon sens, le rôle du parlementaire. 400 pages, voilà. Donc je vous demanderai de retirer au profit de ce travail qu'on aura à faire pour la commission, pour la séance. Monsieur le ministre d'État. Oui, plusieurs remarques. D'abord, première remarque, je suis assez étonné que Monsieur Aubert défende cette idée, puisque par ailleurs, vous défendez l'idée d'une politique au fil de l'eau. C'est-à-dire, on ne change rien, il n'y a pas besoin de programmer la fermeture de réacteurs nucléaires, il faut attendre qu'ils arrivent tout seuls en fin de vie, etc. etc. Donc c'est assez contradictoire, d'un côté, de vouloir qu'il y ait une programmation qui soit votée par le Parlement, sachant que par ailleurs, je le rappelle quand même, c'est la première fois, en 2015,
et c'était l'honneur du gouvernement et de la majorité précédente, d'avoir fait une loi stratégique sur l'énergie. Je vous rappelle quand même que le programme électronucléaire français a été décidé sans qu'il y ait le moindre vote du Parlement. Bon. Deuxièmement, la volonté politique, elle s'exprime de diverses façons. Par la loi, elle s'exprime aussi par des documents réglementaires comme la PPE, elle s'exprime aussi par des moyens qu'on met en œuvre, des législations, de la fiscalité, etc. Et ça, ça continuera, et la volonté pour ce gouvernement et cette majorité, elle est là. Et elle est transparente. Là aussi, M. Aubert, on ne peut pas laisser dire ou laisser entendre que la PPE, c'est en catimini. Mais ça fait 6 mois que la PPE est en consultation publique. Vous n'avez pas besoin de siéger au Conseil supérieur de l'énergie pour savoir ce qu'il y a dans la PPE. N'importe quel citoyen français, et c'est normal, peut la consulter. Nous avons même soumis, je peux vous dire, à nos voisins étrangers, on l'a même traduit en anglais. C'est vous dire si on va loin dans la consultation. Et par ailleurs, moi je suis tout à fait favorable et ouvert, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises depuis que j'ai été nommé ministre, à ce que le Parlement soit davantage associé. En effet, l'idée qu'il y ait des rendez-vous réguliers de programmation stratégique, ça me paraît tout à fait légitime comme aspiration. Et donc je me rallie bien volontiers à la démarche qui est proposée par monsieur le rapporteur. Donc à ce stade, je demanderai le retrait de ces amendements ou à défaut un avis défavorable. Alors j'ai madame Battistel, monsieur Turquois, monsieur Aubert et madame de Lavergne. Oui, Monsieur le Président, simplement alors pour dire que notre groupe soutiendra ces amendements, puisque notre demande, Monsieur le Ministre, n'est pas de pouvoir consulter, parce qu'effectivement, chacun et chacune peut le faire sur différents sites, et notamment pendant la consultation sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais bien de pouvoir en débattre, et là, c'est le lieu et le Parlement. Et la deuxième question, c'était, on ne comprend pas bien pourquoi nos amendements qui demandaient un débat public préalable à la PPE n'ont pas été recevables, alors que cela, oui, mais il y a sûrement une raison, Monsieur le Président. Alors, sur ce dernier point, je ne souhaite pas vraiment justifier les 120 amendements que j'ai déclarés recevables. En l'occurrence, celui-là l'a été parce qu'il interférait avec une procédure réglementaire. Et donc, de ce fait, il a été déclaré recevable pour ce fait. Mais s'il vous plaît, j'ai essayé d'être rigoureux pour tout le monde. Faites-moi confiance. Monsieur, après Madame Battistel, il y avait Monsieur Turquois. Oui, merci à vous, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur vos propos, Monsieur le rapporteur. Vous demandez que vous trouvez que c'est peut-être pas aux parlementaires d'être des techniciens. Il faut peut-être pas être dans la mécanique précise, mais en comprendre les grands enjeux, je pense que c'est important. Sur le terrain, puisque le rôle du parlementaire, c'est effectivement de voter un certain nombre de lois, mais c'est d'être aussi sur le terrain. Les projets liés à l'énergie renouvelable font l'objet de beaucoup de questions, en évacuant les projets qui sont parfois remis en cause par la population, mais beaucoup d'autres font appel à beaucoup de questions. On nous sollicite sur un ensemble de technologies possibles de production d'énergie renouvelable. On nous challenge sur ces sujets-là. Et donc, d'avoir des éléments plus facilement accessibles et pour nous et pour les citoyens qui comparent les différentes technologies, les différentes ressources possibles, je vais y revenir dans un amendement tout à l'heure, une simplification de l'accessibilité des enjeux de la PPE, des différentes techniques, des différentes ressources, des différents coûts associés, me semble fondamental pour une meilleure acceptabilité. Il y a des territoires sur lesquels il y a un vrai challenge pour nous, parlementaires, à expliquer quels sont les enjeux et pourquoi ce gouvernement fait ces choix-là. Ils sont légitimes, mais qu'on puisse se les approprier me semble une chose fondamentale. Oui, je ne peux pas laisser sans réponse les propos caricaturaux qui ont été tenus par le monsieur le ministre. Je vois que vous n'avez pas compris la position des Républicains, donc je vais vous la réexpliquer, comme ça ce sera plus clair. Nous sommes pour la décarbonation, c'est-à-dire que nous pensons que le sujet numéro un, c'est le réchauffement climatique. Et donc, de manière assez basique, nous considérons qu'il faut décarboner l'économie.
que comme le nucléaire est une énergie décarbonée, mettre l'accent et des milliards d'euros sur la suppression de cette énergie décarbonée, c'est un contresens. Nous pensons également que dans le mécanisme de diversification, on doit préserver le potentiel industriel du nucléaire. Nous pensons que également, il faut raisonner en coût de la tonne de CO2 évitée et avoir une analyse des moyens par rapport aux objectifs, plutôt que de fixer des objectifs quinquennaux comme la défunte URSS et s'apercevoir 3 ans après qu'on s'est trompé d'objectif. Enfin, nous pensons que la diversification des moyens ne passe pas seulement par l'électrique, mais passe par toutes les filières, le biogaz, l'hydrogène, etc. Sur la PPE, je suis au regret de vous dire, puisque vous semblez considérer que c'est un succès, que c'est un échec total. En 400 pages, vous avez réussi à avoir une levée de bouclier de la plupart des acteurs, qui nous ont dit d'ailleurs qu'ils ne retrouvaient pas du tout le retour de la concertation dans le document final. Vous avez déçu les partisans de l'éolien, qui ont trouvé qu'on n'allait pas assez loin. Vous avez déçu les partisans du gaz. La trajectoire, on nous dit qu'elle met en péril la sécurité d'approvisionnement de la France au moment de la pointe hivernale à cause d'une trop grande électrification. Et surtout, surtout, il n'y a rien sur les moyens, c'est-à-dire que vous fixez des objectifs multiples, mais à aucun moment vous nous posez la question des moyens. Donc si c'est pour faire un travail comme ça, je pense que le Parlement sera capable d'être au moins aussi technique que vous. Merci. Alors, Célia de Lavergne, puis je repasserai la parole au banc si tout le monde... Madame Bateau, vous vouliez reprendre la parole aussi? Ok, prendre la parole. Madame de Lavergne, puis Madame Bateau. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'associer aux travaux du rapporteur et rappeler que depuis un an, date à laquelle on signait 100 députés La République En Marche, une tribune demandant déjà à ce qu'un travail soit effectué pour voir au sein de la PPE, dont je rappelle que c'est un décret de plus de 80 pages, dont il n'est pas raisonnable qu'on l'examine dans l'intégralité au niveau de la loi, quels seraient les objectifs et le contenu qui pourraient être... qui pourrait faire l'objet, cette fois, d'une inscription dans la loi pour être débattue régulièrement. Et je voudrais souligner aussi l'engagement de nos collègues du MoDem sur ce sujet, avec qui nous travaillons main dans la main depuis quelques temps. Oui, la politique énergétique, ce n'est pas une histoire de choix d'experts qui échapperait à la souveraineté démocratique. Donc le raisonnement qui consiste à dire en gros c'est trop compliqué pour des députés, laissons ça à des experts ou à la DGEC dont je connais les compétences, c'est un raisonnement qui ne tient pas. Et je vois pas en quoi au niveau des forces militaires, si vous voulez, le Parlement serait compétent pour discuter du nombre d'avions de chasse, du nombre de forces spéciales, du nombre de drones, du nombre d'hélicoptères de combat, etc., etc., et que en termes de politique énergétique on pourrait pas déterminer les orientations sous la forme classique d'une loi de programmation, c'est-à-dire qu'il y a des articles de loi, il y a un tableau budgétaire, il y a un rapport annexé, et il peut faire 200 pages comme il peut en faire 63, ça ne change pas tellement le problème, qui est une question de principe de souveraineté du Parlement. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Non, mais moi, je sais qu'on ne fera pas... Enfin, malheureusement, j'imagine qu'on ne fera pas consensus. Où va être le degré de vérité entre l'implication des parlementaires, leur degré de technicité, est-ce qu'ils doivent se transformer en techniciens ou pas? Moi, je pense une chose, c'est que les parlementaires doivent être associés, ça c'est évident, à la politique énergétique de notre pays. Madame de Lavergne a rappelé qu'une centaine de députés de la majorité ont signé une tribune il y a un an de ça sur ce sujet. Ça fait un an qu'on travaille avec mon collègue Jean-Charles Colas-Roy, Madame Pompili, Monsieur Lescure, pour trouver le juste équilibre. Alors on vous proposera un texte, j'espère qu'il fera l'unanimité au sein de cette Assemblée. Si ce n'est pas le cas, ça fait partie du jeu et du jeu parlementaire. Mais faites-nous confiance, on essaye de trouver la bonne écriture pour vous la présenter dans l'hémicycle. Oui, encore une fois, moi je redis que je partage cette aspiration et ce qu'a dit monsieur le rapporteur. Donc personne n'a dit, madame Bateau, que c'était une affaire réservée à la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère. Personne. Donc je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Et par ailleurs, donc moi je ne peux pas laisser dire ça, parce que notre démarche, c'est justement d'associer énormément d'acteurs. Il y a eu énormément de consultations. On peut dire que c'est en débat permanent. D'ailleurs, c'est très bien. Moi, j'en suis très heureux. Il y a énormément de députés qui se sont saisis des sujets, qui ont fait même, disons-le, une forme de lobbying pour un certain nombre de filières, etc. Moi, j'en suis très heureux.
C'est justement ces sujets, enfin, ils deviennent des sujets partagés par tout le monde, politique, citoyen, professionnel, entrepreneur. Après, Monsieur Aubert, j'aimerais que soit vous arrêtez de le dire, soit vous nous dites, on nous dit que cette programmation pluriannuelle de l'énergie va, va provoquer des problèmes d'approvisionnement électrique. Donc j'aimerais bien savoir qui c'est on. Parce que comme ça m'arrive de voir vos vidéos et que vous dites pour en savoir plus, lisez Valeur Actuelle. Bah écoutez, moi je crois plus RTE que Valeur Actuelle pour savoir si la sécurité d'approvisionnement électrique est assurée dans notre pays. Bien, je vais mettre aux voix ces amendements. Monsieur Boulot, vous le maintenez ? Oui, je vais le maintenir parce que de mon point de vue, fixer les ambitions et les orientations de grands objectifs de NR ne transforme pas les députés en techniciens. Ensuite, parce que sinon, en faisant le parallélisme avec les autres lois de programmation qui sont militaires et justice, à ce moment-là, ils sont aussi des techniciens, ceux qui travaillent sur ces programmations-là. Puis il y a une volonté forte de notre groupe et d'autres derrière ce sujet. Alors, ce n'est pas une question de défiance vis-à-vis de la confiance qu'on pourrait avoir envers les uns ou les autres et les travaux que vous avez faits et les ambitions que vous souhaitez porter en séance. C'est le début d'un mécanisme de travail. Il s'agit de cranter une première réflexion et de voir après comment on pourra la dérouler par la suite. Donc je le maintiens. Merci. Madame Matto, vous le maintenez ? Et Monsieur Aubert, vous le maintenez ? Évidemment, et j'en profite pour dire au ministre qu'il s'agit de l'Association française du gaz, France Gaz Renouvelable et Coénov, et que je n'ai fait que les citer dans le texte. Voilà. Merci. Je vais donc mettre aux voix ces amendements qui font l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui votent pour, qui votent contre. Ils ne sont pas adoptés. Alors oui, je devrais peut-être tous 460, même avis, même vote pour le 295, même avis, même vote pour le 147, puisqu'il n'était pas identique. 461, Monsieur Bolo. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de mon collègue Bruno Duverger. Cette PPE, c'est un sujet complexe, on le voit ici, et on se rend compte aussi, parce que plusieurs l'ont dit, qu'il y avait des vraies défiances parfois de nos concitoyens vis-à-vis de projets d'énergie renouvelable. Donc il s'agit, avec cet amendement, de prévoir une synthèse courte de la PPE, simple, pédagogique, accessible au public, afin que les Français puissent suivre le débat qui les concerne directement et que nous permette, nous, députés, d'être en capacité de les convaincre sur les orientations que nous prenons. Monsieur le rapporteur. Moi, j'amènerai un avis de sagesse sur votre amendement. Juste pour information, effectivement, la PPE est un document de 400 pages qui est résumé quand même dans un autre document qui, lui, fait 80 pages, je crois, de mémoire, un peu plus digeste. Monsieur le ministre. Oui, en l'occurrence, cela a été fait pour cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, on pourrait tout à fait, si vous le souhaitez, l'inscrire dans la loi pour que cela devienne une obligation pour d'autres gouvernements dans le futur, et donc, comme le rapporteur, un avis de sagesse. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un double avis de sagesse, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, il est adopté. Monsieur Bolo, pour le 462. Oui, c'est moi qui vais Monsieur Turquois, le défendre, c'est aussi un amendement déposé par Monsieur Duverger, il va un petit peu... il complète un petit peu celui qui vient d'être adopté, dont pour lequel je vous remercie. C'est la partie quantification des énergies renouvelables. Quantification des énergies renouvelables par technologie, entre guillemets, et par localisation. Il est important de quantifier et de faire apparaître dans le rapport que vous évoquiez tout à l'heure la capacité des technologies à être matures, à fournir une certaine quantité d'énergie et la capacité des territoires à la supporter. Je fais écho, c'est un petit peu annexe à cet amendement-là, mais à la capacité à certains territoires à accepter notamment l'énergie éolienne, jusqu'à quelle densité on peut accepter un certain nombre de projets. Je crois que ce serait bien de progresser sur ce sujet-là. Merci. Monsieur le rapporteur. Tel qu'il est rédigé, votre amendement prévoit que la PPE nationale élabore des schémas régionaux. On est bien d'accord. J'aurais un regard de sagesse finalement sur cet amendement. Je sais à quel point votre collègue Duverger, c'est dommage qu'il ne soit pas là, mais est investi sur ce sujet, notamment à travers son rapport sur la mission Frein à la transition énergétique, qui sera, Monsieur le Président, je me permets de le dire, présenté devant la Commission économique le 2 juillet. Mais je laisserai la parole au gouvernement pour prendre sa position, mais pour ma part, ça sera sagesse.
Monsieur le ministre d'État. Oui, monsieur le Président, par rapport à cet amendement déposé par plusieurs députés du groupe Modem, le gouvernement partage tout à fait le constat que des études sur les gisements de biomasse, qui sont assez diversifiés, depuis le bois jusqu'à des déchets, soit agricoles, soit ménagers, que ces études de gisements puissent être réalisées. Il y a d'ailleurs le Code de l'environnement prévoit déjà l'élaboration de schémas régionaux de biomasse, analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation, en fixant des objectifs. Si vous voulez le rajouter dans la loi à ce stade, je pense que c'est satisfait, mais sinon, j'aurais également un avis de sagesse. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un double avis de sagesse. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Je pense que le suivant n'est pas défendu. Le 479, Madame Pompili, Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez sans doute tous vu, la Commission européenne a publié hier ses recommandations à la France sur son plan énergie-climat. Je vous invite à lire la troisième recommandation qui demande de préciser les mesures de sécurité d'approvisionnement et de diversification du mix. Ce besoin inclut, et c'est écrit tel quel dans le texte de la Commission, la flexibilité et l'information sur les capacités programmées de nucléaire. Or, sur cette question du mix électrique, le projet de PPE se base sur une et une seule hypothèse, celle où tous les réacteurs qui atteignent leurs 40 ans de vie seront prolongés d'ici 2035. La nouvelle trajectoire telle qu'elle a été définie revient d'ailleurs à prolonger le fonctionnement de 44 réacteurs jusqu'à 50, voire 60 ans. Or, dans un entretien il y a à peu près un mois et demi dans un média, puis devant les membres de l'OPEXT ici à l'Assemblée nationale, le président de l'autorité de sûreté du nucléaire, Bernard de Rechuc, a déclaré que ces prolongations au-delà de 40 ans n'étaient pas acquises. Déjà parce que les nouveaux critères de sûreté post-Fukushima, etc., pour les passages de ces 40 ans ne sont pas tous tranchés, et ensuite parce que ces examens se feront au cas par cas et qu'en fonction de la liste des travaux à faire sur chaque réacteur, il ne sera peut-être tout simplement pas rentable pour l'exploitant d'en prolonger certains. J'ai donc posé récemment dans votre commission, Monsieur le Président, vous vous en souvenez, la question à Monsieur Lévy, le PDG d'EDF. Je lui ai demandé quelles étaient les alternatives prévues si 1, 3, 5 ou plus de réacteurs venaient à ne pas être prolongés. Comment produira-t-on alors l'électricité ? Qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre pour ne pas faire appel à de l'électricité ultra-carbonée ? Alors, la réponse de Jean-Bernard Lévy a été simple. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, les alternatives sont prévues. Très bien, mais alors lesquelles ? Sur une programmation qui fait plus de 400 pages, peut-on se contenter d'une et une seule option qui se base sur une et une seule hypothèse, cette même hypothèse que le président de l'ASN lui-même remet en question. Cet amendement vise donc à demander que soient posés des scénarios alternatifs de production électrique afin de nous préparer à tous les cas de figure et pas seulement aux plus optimistes de tous. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Pompili, je comprends votre préoccupation. Néanmoins, il est extrêmement difficile de déterminer quel scénario alternatif l'État devrait prendre en compte. Si votre inquiétude, comme l'indique votre exposé des motifs, tient à une possible non-prolongation des centrales au-delà de 40 ans, alors RTE a réalisé un scénario à ce sujet. C'est le scénario Watt, dans lequel les réacteurs nucléaires sont arrêtés sur un critère de déclassement technique. Pas de prolongation d'autorisation d'exploitation au-delà donc de la VD4 et des 40 ans. Si votre inquiétude repose sur une possible anomalie générique, ce qui est bien sûr, je l'espère, très peu probable. Alors, à mon sens, tout scénario de programmation de moyen terme devient inutile. Il faudra prendre des mesures extrêmement rapidement. Donc, ça sera défavorable. Monsieur le ministre d'État. Oui, je comprends la préoccupation de Barbara Pompili. Comme l'a dit le rapporteur, ça peut être un scénario à ce moment-là de 0 à 58, puisque dans l'absolu, on pourrait considérer que les 58 réacteurs sont arrêtés pour des raisons de sûreté. On peut aussi imaginer le scénario catastrophe comme post-Fukushima au Japon, où le Japon a dû arrêter tous ses réacteurs nucléaires dans l'extrême urgence. Ce qui est prévu dans la programmation pluriannuelle d'énergie, c'est l'arrêt programmé, progressif, de
14 réacteurs d'ici 2035. Donc, de fait, ça permet quand même déjà d'envisager, quelle qu'en soit la raison. Il se trouve que là, on le fait par volontarisme politique, mais de fait, ça permet d'envisager, et c'est bien d'ailleurs notre préoccupation, c'est de faire face à une situation où on ne veut pas, où on veut réduire notre dépendance. Je l'ai dit en introduction hier, réduire notre dépendance à une seule technologie pour la production d'électricité. Et que la diversification de notre production d'électricité est un gage d'adaptation à des situations particulières. Certains ont dit hier, oui, c'est vrai que des centrales peuvent être arrêtées, par exemple, parce qu'on a du mal à assurer leur refroidissement, sans même qu'il y ait une question de sûreté. Par précaution, on l'arrête parce que le cours d'eau est insuffisant, etc. Bon, ça, et oui, avec le dérèglement climatique, c'est des choses qui peuvent être plus fréquentes, et ainsi de suite. Et la question que vous posez est donc légitime. Nous considérons que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, de fait, cela a été envisagé. Alors, on n'envisage pas les 58 qui seraient décrétés à l'arrêt pour raison de sûreté en même temps par l'ASN, mais qu'il y ait, il y en ait un certain nombre. D'abord, il y a, sont parfaitement identifiés les arrêts qui ont une certaine durée pour les visites décennales, et ensuite, par ailleurs, qu'il y en ait 14 qui soient arrêtés progressivement, ce qui permet de fait d'envisager et de travailler la sécurité d'approvisionnement en électricité de la France avec un certain nombre de réacteurs en moins. Donc je considère qu'il est satisfait, donc je demande le retrait de cet amendement. Madame la Présidente, est-ce que vous le maintenez ? J'entends je ne fais pas partie de ceux qui disent que d'un seul coup, il y a 50 réacteurs sur les 58 qui vont s'arrêter dans 2 minutes. Je dis simplement que ne serait-ce que d'ici 2025, où à ma connaissance, nous n'avons pas de fermeture de réacteurs de prévu ou une, je ne sais plus, ma mémoire flanche. Il y a 26 réacteurs nucléaires qui passeront les 40 ans en 2025. 26, pas 2, pas 3, 26. Les visites décennales sont toujours un petit peu écartées dans le temps, mais enfin bon, on est sur 2-3 ans. Sur ces 26 réacteurs, moi, je ne planifie pas l'apocalypse. Je dis, il est possible qu'il y en ait 1, 2, 3, 5, même pas 26, je ne vais même pas jusque-là, qui s'arrêtent. Quand on me fait toute une histoire pour m'expliquer que ce n'est pas possible de fermer des réacteurs avant 2026 et que les fermetures vont s'étaler dans le temps, mais bien plus tard, c'est-à-dire qu'on ne ferme rien au début et on en ferme beaucoup à la fin, je dis que le fait qu'on nous dise « circuler, il n'y a rien à voir », comme a dit Jean-Bernard Lévy la dernière fois, en disant « vous inquiétez pas, on a prévu les alternatives », et quand on demande lesquelles, nous n'avons pas de réponse, je dis que la représentation nationale a le droit d'avoir des réponses sur ce qui est prévu dans le cas où cette possibilité qui a été évoquée par le président de l'ASN soit réalisée. Je ne demande pas plus, et l'amendement ne demande que ça, c'est-à-dire qu'on nous dise « si jamais... ce qui est le plus probable, il y a quelques fermetures de réacteurs, bien qu'ils soient prévus dans la PPE, il nous soit expliqué ce qui se passe. Voilà. Je n'ai pas le sentiment de demander énormément. J'entends, c'est pourquoi je ne considère pas cet amendement comme satisfait, monsieur le rapporteur, même si j'entends les scénarios de RTE. Donc à ce stade, je le maintiens, mais si, s'il y a des réponses qui sont apportées, je pourrais ne pas redéposer l'amendement en séance. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, monsieur le ministre d'État. Oui, je veux dire à Barbara Pompili que sur la question de... puisque vous dites en effet, il y a un certain nombre d'avoir 40 ans, la prévision n'est pas qu'à 40 ans, elles sont toutes défaillantes. Mais la probabilité, plus l'âge avance, plus la probabilité est forte. Ça, nous sommes d'accord. Deuxièmement, par ailleurs, ça, il faut quand même en être conscient, parce que là, c'est une question de cohérence par rapport, y compris, à la programmation pluriannuelle de l'énergie et à la stratégie. C'est évident que si cette année, pendant l'année 2019 ou 2020, 2021, 2022, par exemple, il y avait des centrales qui étaient déclarées inaptes au fonctionnement par l'autorité de sûreté du nucléaire pour des raisons de sécurité, elle serait arrêtée. Ça obligerait, par exemple, à maintenir les capacités thermiques dans l'immédiat. Oui, mais ça, c'est clair. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est quand même ça, quand je l'ai dit hier soir, certains l'ont contesté, mais c'est vrai que dans l'immédiat, si on fermait plus vite
ou qu'on arrêtait pour d'autres raisons les centrales nucléaires, de fait, ça dégraderait fortement le bilan carbone de la production d'électricité. Par ailleurs, quand même, parce que je tiens indirectement à travers votre amendement à répondre à une question que pourraient se poser les Français sur la sécurité d'approvisionnement de notre, enfin, ou la sécurité globale de notre système électrique, sur laquelle nous sommes très vigilants et sur laquelle nous obtenons de bons résultats d'ailleurs. Parce que les Français n'ont jamais été plongés dans le noir, ou des régions entières n'ont jamais été plongées dans le noir pendant par imprévoyance sur le système électrique. Nous avons des réserves capacitaires. Et les opérateurs, notamment EDF, sont obligés d'avoir des réserves, des appareils en réserve. Par ailleurs, vous le savez, y compris ici à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de capacités de réserve qui peuvent se mettre en route automatiquement. C'est aussi le cas dans les hôpitaux, etc., pour faire face à des situations d'urgence. Et enfin, il y a les interconnexions. J'en ai aussi déjà parlé. C'est une politique européenne dans laquelle la France s'inscrit pleinement, que la France soutient. Et moi, je le dis et le redis, même si ce n'est pas ça qui fera la une des médias, c'est une belle politique européenne qui permet justement d'activer la solidarité européenne, comme ça a été le cas pour la Belgique l'hiver dernier, en cas de défaillance sur un réseau ou sur un pays ou sur un autre. Loin de moi l'idée de brider le débat, mais on est passé à 18 à l'heure. Hier, c'était 25, là, on est à 18. Je vous le dis juste pour information. Je vais mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre ? Non, il n'a pas été retiré. Il n'est pas adopté. Je vais vous demander de lever un peu plus les mains parce que les poignets sont plus difficiles à voir que les mains. Que vous soyez pour ou contre. J'ai donc une discussion commune maintenant. Monsieur Bolo, pour le 464, vous pouvez aussi présenter le 463. Je laisserai la parole à mon collègue Turquois pour le 463. Le 464 propose que la PPE dresse un état des lieux en termes de volume et de qualité de biomasse sylvicole, agricole, aquacole à usage non alimentaire, ainsi que des orientations et des pistes d'action pour le développement des filières, respectant la soutenabilité, la multifonctionnalité et la hiérarchie des usages. Le 464 et le 463. Le 462 a été adopté tout à l'heure. Monsieur le rapporteur. Alors, vous avez présenté le 463 ? Ah, c'est Monsieur Turquois, excusez-moi. Donc, on présente le 464, ça c'était Monsieur Bolot. Monsieur Turquois présente le 463. Il faut au moins deux députés pour assumer la présentation de tous les amendements de notre collègue Duverger. Le présent amendement propose de quantifier les gisements de la biomasse disponible dédiée à la méthanisation, à l'éthanol et au biodiesel afin de savoir combien notre pays est capable de produire de biocarburants et de biogaz sans utiliser les terres agricoles destinées à l'alimentation. Il y a parfois une sorte de fantasme sur la capacité en termes de biomasse à produire de l'énergie sans non plus arriver en concurrence des productions agricoles destinées à l'alimentation. Donc on souhaiterait progresser sur la quantification des gisements et ce, de pouvoir le faire régulièrement. Alors, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements ? Moi, je vais vous demander de les retirer parce qu'il me semble qu'ils sont satisfaits du fait de l'adoption du 462 tout à l'heure. Donc, si vous le voulez bien. Je crois qu'on va, on va les retirer et on partage votre analyse. Mais on était sur monsieur 447, bon monsieur Lambert, merci. Allez, on accélère. Monsieur Lambert, 447, il est parti ? Il n'est plus là. Si, il est là ? Je l'ai vu tout à l'heure. Bon, ben tant pis. Pardon ? Le 555, non, je ne l'ai pas. Le 281, madame Bateau. Merci, monsieur le président. C'est un amendement qui fait trois choses. D'abord, il dit qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux réacteurs en France. Ensuite, il porte le plafond à 50,6 gigawatts en 2030. Et ensuite, il donne à l'État la possibilité de faire respecter ce plafond en prononçant l'abrogation de l'autorisation d'exploiter. J'attache beaucoup plus d'importance à ces dispositions dans le L111-5-5 du Code de l'énergie qu'à celles qui figurent dans les objectifs généraux
Quand on dit qu'on se fixe pour objectif de baisser la part du nucléaire, etc., ça a une portée normative très limitée. Tandis que là, on est dans une portée normative et juridique concrète et réelle. Merci, monsieur le rapporteur. Bon, ce plafond, il n'est pas sans incidence. Hein. Il ne permet pas la mise en service de l'EPR de Flamanville. Ce qui est quand même nécessaire, afin qu'il faudrait l'assumer. Je ne souhaite pas non plus fixer un plafond de capacité nucléaire à l'horizon 2030. En effet, le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, prévoit deux scénarios possibles à l'horizon 2030. L'un des scénarios permet de fermer deux réacteurs de manière anticipée, 2025-2026, en fonction des conditions relatives au prix de l'électricité et à l'évolution du marché de l'électricité à l'échelle européenne. Mais l'autre scénario ne le permet pas, ce qui rendrait difficile le respect du plafonnement que vous prévoyez. Je serai donc défavorable. Monsieur le ministre d'État. Même avis que le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté. Madame Bateau, le 280. Allez-y. Donc ça, c'est un amendement anti-politique du fait accompli. Puisqu'en fait, le gouvernement nous a dit, c'est en 2021 qu'on prendra la décision si on engage la construction d'un nouveau parc nucléaire. C'est ce qui a été dit au moment de la présentation de la PPE par le président de la République, c'est qu'il était demandé un travail à EDF et que les décisions seraient prises en 2021. Mais pendant ce temps-là, en fait, EDF achète les terrains à côté des centrales existantes, pour construire de nouveaux réacteurs. Et donc le sens de cet amendement 280, c'est de dire qu'il n'y aura pas, on peut avoir le débat sur à quel rythme et comment on diminue la part actuelle du nucléaire, voire comment à terme on en sort, mais autre chose est d'envisager la création de nouveaux réacteurs et de réacteurs supplémentaires, et donc en fait cet amendement ferme la porte à cette hypothèse. Merci monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable. Il faut attendre le travail que le gouvernement conduira avec la filière d'ici mi-2021 et qui portera notamment sur la démonstration avec la filière française de sa capacité à maîtriser un programme industriel de nouveaux réacteurs, l'expertise des coûts futurs du nouveau modèle de réacteur EPR2 proposé par EDF et la comparaison technico-économique du nucléaire avec les autres modes de production d'électricité bas carbone. Si maintenant EDF décide de faire des achats de foncier à proximité de ces INB, c'est de sa responsabilité, ça n'engage pas le gouvernement ou cette majorité sur savoir si demain il y aura des nouveaux OPR sur ces 10 terrains. Monsieur le ministre d'État. Merci, monsieur le Président. En complément de ce que vient dire le rapporteur, d'abord une réponse de forme à madame Bateau. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas cela qui a été dit le 27 novembre dernier, ni par le président de la République, ni par le Premier ministre, ni par moi-même. Donc je pense que pour ce qui est du gouvernement de la France, si le président de la République, le Premier ministre et moi-même nous disons la même chose, c'est que la position est parfaitement claire. Nous demandons à la filière électronucléaire française, ça c'est la réponse de fond, qu'en 2021, il y ait toutes les données à la fois sur la fiabilité technologique et la compétitivité économique pour que un gouvernement puisse prendre la décision en 2022. Et il ne vous aura pas échappé qu'en 2022, il y a des élections nationales. Nous considérons par ailleurs que c'est une décision, en effet, nationale, qui engage la France après un débat démocratique et le débat électoral de 2022. Pourquoi nous avons demandé la fiabilisation technologique et la compétitivité économique? C'est parce qu'aujourd'hui, si on s'en tient à l'EPR de Flamanville, on voit bien qu'elle n'est pas encore mise en service. Il y a une question de sécurité, de fiabilité de la technologie, et il y a une question économique, puisque le coût, du coup, avec le temps, a dérivé. Par ailleurs, il y a une référence de prix qui est celle du contrat Hinkley Point en Grande-Bretagne, qui est d'environ 90 euros le mégawattheure, et que la filière électronucléaire française considère qu'elle peut descendre en dessous de ce prix, car ce prix serait très supérieur non seulement au prix de marché d'aujourd'hui, mais à celui des énergies renouvelables. Donc c'est pour cela que nous avons demandé que tout cela soit renseigné de façon précise, que ça soit public et que ça permette d'éclairer le choix des Français et ensuite du gouvernement qui sera élu après les élections de 2022.
Je vais donc mettre aux voix cet amendement 204. Pardon, Madame Bateau, allez-y. Oui, Monsieur le Ministre, j'apporterai pour la séance l'ensemble des déclarations, notamment du PDG d'EDF, sur la préparation. C'est pas le gouvernement, ça. De... eh bien, en fait, c'est là, Monsieur le Président, qu'il y a. Je me permets. C'est là, Monsieur le Président, que, considérant que le ministre d'État est là et que le PDG d'EDF n'est pas le ministre fantôme de l'énergie, la réponse qui consiste à dire que les décisions prises par une entreprise détenue à 80%, 85% par l'État ne regardent qu'elle et n'engagent pas l'État, sont totalement irrecevables. Et donc, j'amènerai pour le débat en séance l'ensemble des déclarations d'EDF, y compris sur le commentaire de la PPE, indiquant clairement que les choses étaient en train d'être préparées pour que la décision soit prise en 2021. J'ai bien entendu que pour le gouvernement actuel, il s'agit de la préparer pour le gouvernement futur. En attendant, sur le terrain, concrètement, les choses se préparent par l'achat de terrain. Et moi, j'appelle ça la politique du fait accompli. Bien, vous parlez bien des déclarations du PDG de l'EDF et pas des décisions. Je veux juste préciser, parce que, d'accord, je n'ose imaginer que l'actionnaire à 80% n'ait pas quelque chose à voir avec les décisions de l'entreprise. Déclaration. Donc, je vais le mettre au voix avec un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui vote pour, qui vote contre. Il n'est pas adopté. Madame Bateau, le 410. Madame Panot, pardon, le 410. Merci, Monsieur le Président. Alors ça, c'est un amendement qui peut paraître technique au premier abord, mais qui est, je pense, extrêmement important, qui demande à ce que la fermeture d'une centrale ou d'un réacteur nucléaire ne se fasse plus à la demande de l'exploitant, mais par une décision politique qui relève du gouvernement et du Parlement. Je rappelle que sur le décret sur la fermeture de Fessenheim dans la précédente mandature, ce décret avait été cassé par le Conseil d'État. Et je pense qu'il est important d'affirmer que c'est une décision politique que de fermer un réacteur ou une centrale nucléaire et qu'elle doit rester, enfin, être cette décision politique et donc changer la loi de ce côté-là. Monsieur le rapporteur. Oui, concernant le décret Fessenheim, il avait été retoqué par le Conseil d'État parce qu'il était, mal écrit. Hein. Concernant votre amendement, je pense que donner la possibilité à l'État d'abroger les autorisations d'exploiter pourrait être coûteux pour l'ensemble des contribuables. Elle engendrerait une indemnisation sans doute importante des exploitants. De plus, je suis favorable à laisser l'opérateur établir un plan cohérent de fermeture de ses réacteurs. J'aimerais donc un avis défavorable. Monsieur le ministre d'État. Même explication et même avis. Je le mets donc aux voix avec un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui vote pour, qui vote contre. Il n'est pas adopté. Madame Bateau, avec une série de discussions communes de 278. Brièvement, c'est un plafond qui porte en fait à 50% en 2030. Deux identiques. Ensuite, le 42 de Madame Sarle ou Madame Pompili, allez-y. Oui, qui a été adopté par la Commission du développement durable. L'important, c'est que les objectifs que nous nous fixons, nous puissions les tenir. Et donc là, c'est les deux plafonds qui sont fixés en 2030 et 2035 sont simplement la traduction en termes de plafond de ce qui est mis dans la PPE. Parce que nous avons vu ce qu'il était advenu des engagements qui avaient été pris dans la LTECV. On a été obligé de décaler les engagements à 2035 parce que rien n'avait été fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'avoir un cadrage dans la loi qui nous permette de respecter nos propres engagements. Les deux plafonds qui sont indiqués dans cet amendement sont des plafonds qui se calquent sur les objectifs indiqués par le gouvernement dans la PPE, ni plus ni moins, quelle que soit l'opinion que l'on ait sur cette trajectoire. Monsieur Orphelin, vous voulez ajouter quelque chose, amendement identique ? Mon soutien à cet amendement qui effectivement a été proposé par Barbara Pompili et adopté en commission du développement durable. Donc traduire dans la loi l'engagement de baisse de la part du nucléaire à 50% en 2035 avec une étape intermédiaire. Je crois que c'est évidemment très important. Merci, monsieur le rapporteur, sur ces trois amendements dont deux identiques. Sur le 278 de madame Bateau, j'amènerai un avis défavorable. Sur celui du 42 de madame la présidente Pompili, je souhaiterais préciser que le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit deux scénarios possibles à l'horizon 2030. L'un des scénarios permet de fermer deux réacteurs de manière anticipée en 2025-2026, en fonction des conditions relatives au prix de l'électricité et à l'évolution du marché de l'électricité à l'échelle européenne. Mais l'autre scénario ne le permet pas, ce qui rendrait difficile le respect du plafonnement
que vous prévoyez. Vous avez choisi le premier scénario et ne le laissez donc pas la possibilité au second scénario d'être choisi en 2023. Par ailleurs, le plafond que vous évoquez en 2035 ne permettrait pas la mise en service de l'EPR de Flamanville. Donc, je vous demanderai de retirer vos amendements. J'imagine qu'ils sont maintenus. Oui, allez-y, Madame Pompili. Ah oui, pardon, excusez. S'ils sont maintenus. Oui, non, ils sont maintenus, donc allez-y, Monsieur le ministre. Allez-y. Oui, je partage le même avis que celui du rapporteur, dans le sens où c'est déjà ce qui est écrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Bon. J'entends bien, hein, je le vois à travers différents amendements, la volonté en quelque sorte de remonter de la programmation pluriannuelle de l'énergie dans la loi des objectifs. Bon, c'est quelque chose, alors que par ailleurs, on demande que ce soit rediscuté tous les 5 ans par une loi. Mais bon, c'est ainsi. Moi, je pense qu'en l'occurrence, devait y avoir quelque chose, ce serait en 2035, et avec, en effet, le chiffre qu'a donné, je crois, monsieur le rapporteur, de 52,2 gigawattheures. C'est une demande de retrait, donc, en l'occurrence. Madame Pompili et Madame Bateau, monsieur Orphelin. Oui, monsieur le ministre, vous savez, si on veut remonter des choses dans la loi, c'est que chat échaudé craint l'eau froide. Hein, et nous avons malheureusement vu que si on ne fait pas un lissage dans le temps, on prend des risques de ne pas pouvoir atteindre nos objectifs. Et puis nous avons aussi des centrales qui vieillissent. Et donc, si on prévoit un lissage, ça nous permet aussi d'anticiper de l'imprévu. Maintenant, moi j'entends, si vous souhaitez... À défaut qu'il y ait au moins juste un amendement pour 2035, je vous en prie, n'hésitez pas à sous-amender l'amendement et je le verrai avec bienveillance. Oui, le précédent gouvernement, il avait donc mis dans la loi un article qui disait « on se fixe pour objectif de baisser à 50% la part du nucléaire à l'horizon 2025 ». Et puis la vraie disposition normative, elle disait, le plafond, il a 63,2 gigawatts, c'est-à-dire qu'il est au niveau actuel. Le projet de loi que le gouvernement amène, tout en prétendant tirer les leçons de ce qu'a fait le gouvernement précédent, il fait en fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il change l'objectif en disant c'est plus 2025, c'est 2035. Et par contre, le plafond, c'est-à-dire le vrai cadre normatif, on ne le touche pas. Donc là, la loi en l'état, elle laisse le plafond à 63,2 gigawatts, donc à 75% de nucléaire dans la production d'électricité en France et non pas 50%. Donc moi, je maintiens mon amendement et j'attire l'attention du rapporteur et du gouvernement sur la contradiction qui existe dans cette conception de la législation. Monsieur Orphelin. Merci. Moi, je continue de penser qu'une étape intermédiaire serait importante. Peut-être qu'elle peut être un peu rehaussée pour tenir compte des deux scénarios. Mais est-ce que, donc moi je maintiens, mais est-ce qu'on peut travailler pour la séance sur un amendement que certains jugeront pas assez ambitieux, mais qui serait, pour rebondir sur ce cas, sur l'argumentation du rapporteur, rebondir positivement ? Un autre amendement de compromis donnant uniquement la valeur de 2035 et en la mettant au 52, donc au deuxième scénario, au lieu de 50,6. Ça nous permettrait au moins d'arriver à 52 plutôt que de rester au 63,2 actuel. Si j'ai bien compris l'argumentation de monsieur le rapporteur, moi je pense qu'on peut en reproposer un comme ça, soit sous-amender celui-là là, soit reproposer... un autre amendement aussi pour la séance. Moi, ça me paraît, bien sûr, qu'on sera un certain temps à juger que ce n'est pas encore complètement assez ambitieux, mais si tout le monde est OK là-dessus, ça peut être une bonne solution. Donc, une date qu'en 2035 et avec 52 gigawatts au lieu de 50,6. Madame de Laverne, vous avez demandé la parole. Oui, également, je voudrais m'associer le groupe au débat. Je pense qu'on l'a bien vu, les parlementaires souhaitent inscrire un certain nombre de choses dans la loi. C'est essentiel. À ce stade, les amendements proposent plusieurs dispositions qui ne conviennent pas.
Donc moi, je propose effectivement qu'on retravaille en but de la séance. L'esprit dans lequel nous avançons est effectivement de ne retenir que la date de 2035, avec l'inscription, après travail avec le gouvernement, du bon montant du plafond de la capacité nucléaire installée. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Bien, est-ce qu'ils sont maintenus? Est-ce qu'on les retire pour retravailler pour la séance? Rapidement, on ne lance pas le débat. Madame Bateau, il est maintenu? Oui. Madame Popili, il est maintenu? Écoutez, moi, je veux bien être de bonne volonté et le retirer, mais pour le retravailler pour la séance. Merci, monsieur Orphelin. J'imagine que vous le retirez également. Si c'est un travail collectif pour la séance, oui. Très bien. Ben, je pense que c'est ce que j'ai entendu, en tout cas, de la part du groupe majoritaire. Qu'on pourra donc redéposer à l'identique. Je vais mettre... Voilà, je n'en doute pas, évidemment. Et il sera sans doute jugé recevable, je vous rassure. 278 avec un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté. Discussion commune 186, monsieur Orphelin. 6. Il est défendu. Madame Cariou. Oui, je vais défendre, Monsieur le Président. Oui, c'est une demande que l'État puisse abroger les autorisations d'exploitation au motif qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel de l'intérêt général de la diversification des sources d'énergie et la réduction de la part de l'électricité d'origine nucléaire. Les objectifs qui sont fixés aujourd'hui par la LTECV doivent pouvoir être mis en œuvre par l'exécutif et non dépendre du bon vouloir du seul opérateur, ce qui est le cas aujourd'hui. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. On a déjà eu le débat tout à l'heure, donc je suis défavorable aux deux. Monsieur le ministre d'État. Oui, monsieur le Président, avis également défavorable, puisque le gouvernement ne souhaite pas avoir recours à des fermetures administratives pour les prochaines fermetures de réacteurs nucléaires qui conduiraient à des indemnisations de la part de l'État en raison du préjudice causé à l'exploitant. Et pour les prochaines fermetures, le gouvernement souhaite qu'elles se fassent en application du plafond de puissance dans le cadre du plan stratégique des exploitants, en l'occurrence EDF, produisant plus d'un tiers de l'électricité, et ce qui a été introduit en 2015. Madame Bateau. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais le projet de loi, il ne touche pas au plafond. Enfin, c'est le débat d'avant, mais excusez-moi, mais je cherche à comprendre. Vous venez de dire qu'en fait, l'outil juridique pour imposer à EDF une fermeture, c'est le plafond. Moi, je vous suis dans le raisonnement. Mais sauf que le plafond, vous ne le baissez pas. Monsieur le ministre d'État. Alors, j'ai sans doute parlé trop vite. Le plafond de puissance qui est dans le plan stratégique. Le plan stratégique de l'exploitant. Et donc, vous voyez bien que c'est pas pareil si c'est l'exploitant qui décide de fermer de son propre chef en application d'un plan stratégique, ou si c'est à la demande, enfin si c'est sur la suite d'une décision de l'État, une décision administrative, comme c'est proposé là, ce qui évidemment conduirait à des indemnisations. Madame Bateau. Oui, sauf erreur de ma part, le plafond qui est dans le plan stratégique d'EDF, c'est précisément celui que fixe le législateur sur la puissance installée nucléaire à 63,2 gigawatts, puisque c'est l'astuce, pardonnez-moi, que la précédente majorité et le précédent gouvernement avaient trouvé pour imposer la fermeture de Fessenheim parallèlement à l'ouverture de l'EPR. Schéma que l'actuel gouvernement est d'ailleurs sorti pour pouvoir fermer Fessenheim indépendamment de la non-ouverture actuelle de l'EPR. Donc voilà, ça demandera précision d'ici la séance, parce que pour moi, ce plafond, c'est précisément okay. Celui dont on discutait précédemment. Ils sont maintenus, les deux amendements, rapidement? Oui, oui, Madame Pompili, oui. Ok, je les mets donc aux voix avec deux avis défavorables. Qui vote pour le 186? Qui vote contre? Pas adopté. Le 313, même avis, même vote. Le 372, Madame Panot. Défendu. Monsieur le rapporteur. Ouais, je me permets d'amener quelques indications supplémentaires, puisque votre amendement parle de la durée d'exploitation des réacteurs nucléaires sur le territoire français limitée à 40 années, de leur année de mise en service. Il se trouve que c'est à l'ASN de se prononcer sur la durée de vie des réacteurs. L'ASN qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises au sein même de cette assemblée, notamment dans le cadre de la commission d'enquête sûreté et sécurité nucléaire à laquelle vous avez participé. Je crois qu'ils ont fait la démonstration de leur indépendance, de leur vigilance, de leur rigueur, qui fait d'ailleurs référence au niveau international.
Je me permettrai, puisque la voix m'est donnée, d'insister sur le fait qu'au vu du chantier qui arrive sur les VD4, il serait peut-être de bon ton au PLF de réfléchir à augmenter peut-être et à renforcer, mais Madame Pompili, on avait travaillé là-dessus, à renforcer les ressources humaines donc de l'ASN. Avis défavorable. Monsieur le ministre d'État. Comme nous avons déjà eu le débat, avis défavorable. Je vais donc mettre au bois cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté. Discussion commune, Madame Sarl, pour le 43. Je vais le défendre, Monsieur le Président, si vous le permettez. Oui, je pense qu'il le permet. Donc, c'est un amendement qui porte sur le plan stratégique d'EDF et sur la visibilité des réacteurs nucléaires à fermer. On a déjà eu le débat, nous, en commission développement durable. EDF n'a aujourd'hui l'obligation de décliner son plan stratégique que sur la première période de la PPE. L'amendement étend d'abord cette obligation à toutes les périodes parce qu'il n'y a pas de raison que cette visibilité ne soit donnée que de 2018 à 2023. Ensuite et surtout, cet amendement propose qu'EDF publie un calendrier de réacteurs à fermer et qu'elle le rende public. Pour nous, c'est indispensable parce que tout le monde sait qu'on va devoir fermer des réacteurs et que nous avons besoin que les territoires s'y préparent. Ce sont des territoires entiers qui sont concernés, des milliers de travailleurs, leur commerce, leur PME, leur centre de formation, etc., qui sont aujourd'hui dans le doute. Et donc, si les annonces sont faites clairement et bien en amont des fermetures, ça permet aux collectivités d'anticiper, de recréer des bassins d'emploi, à commencer par toute la filière du démantèlement. Et je rejoins ce qu'a dit notre rapporteur tout à l'heure sur l'importance d'installer une filière du démantèlement qui soit suffisamment formée et suffisamment nombreuse pour faire face aux enjeux auxquels nous avons à faire face aujourd'hui. Je termine en disant, moi je viens du pays minier du Nord-Pas-de-Calais, j'ai connu les fermetures de mines qui n'étaient pas suffisamment anticipées, je ne veux pas qu'on retrouve le même problème sur des fermetures de réacteurs, donc il faut qu'on anticipe et cet amendement le permet. Amendement identique, monsieur... Non, j'ai deux amendements identiques qui sont dans une discussion commune. Le 50, je pense que monsieur Besson-Moreau est là. Madame Brunet n'est pas là, je pense. Allez-y. Monsieur Besson-Moreau est là, monsieur le président. Effectivement, cet amendement vise donc à rendre obligatoire la publication du plan stratégie 2015-2018. Jusqu'à maintenant, EDF refuse de communiquer son plan stratégie malgré un avis de la commission d'accès aux documents administratifs rendant le document communicable. Il semblerait que EDF n'ait jamais rendu compte de la mise en œuvre de ce plan devant les commissions permanentes du Parlement. Madame Tienia, vous avez un amendement identique. Je propose de généraliser le plan stratégique qui présente les actions de l'exploitant, que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs fixés par la PPE pour toutes les périodes et de prévoir un calendrier prévisionnel de fermeture des installations nucléaires de l'exploitant, afin d'anticiper les mesures sociales, économiques et techniques à mettre en place. Merci. Monsieur le rapporteur. Alors, sur le 43, je vous demanderai de le retirer au profit d'un amendement qu'on va voir tout à l'heure. C'est le 477 de Madame Pompili. Il en est de même pour le 321 et le 556. Non, il n'y a pas de 321. Pardon, le 50. Le 50 et le 556. Ouais. Sur les trois, vous demandez un retrait pour un suivant. Au profit du 477 de Mme Pompili, qu'on va voir juste après. Ok, monsieur le ministre d'État. La position du gouvernement est identique. Je demande le retrait de cet amendement au profit du 477. Alors, Mme Pompili, vous le maintenez ? Vous le retirez au profit du vôtre. Je vais le retirer au profit de l'amendement 477, qui est un amendement de repli, qui va dans le bon sens, puisque ça oblige EDF à dévoiler son plan stratégique et à l'étendre aussi sur les centrales à charbon. J'insiste néanmoins sur l'absolue nécessité que dans la PPE, on ait des prévisibilités sur les réacteurs à fermer. On a des territoires qui sont en attente. Est-ce que M. Besson-Moreau maintient, retire ? Retire. Madame Tienia. Nous retirons au profit de l'amendement de Barbara. Qui, je pense, vient d'être présenté. Madame Barbara, 477. Oui, il est défendu. Et en plus, cet amendement donne plus de marge de manœuvre au ministère dans le cas où les plans stratégiques ne seraient pas conformes au PPE. Donc, on donne des marges de manœuvre. Très bien. Monsieur le rapporteur. Favorable. Monsieur le ministre d'État.
également favorable, sachant que je rappelle que lors de la présentation de la PPE, nous avons demandé à EDF d'identifier les territoires, enfin les sites en l'occurrence, et en donnant nous-mêmes une liste de 9 sites. Donc en l'occurrence, il y a une prévisibilité. Je le mets donc aux voix avec 2 avis favorables. Qui vote pour ? Allez, on lève les mains s'il vous plaît. Qui vote contre ? Il est adopté. 2 amendements identiques. Monsieur le rapporteur, le 649, puis Madame Tienia pour le groupe de la République en marche. Merci Monsieur le Président. EDF, donc c'est le 648, hein, doit aujourd'hui rendre compte chaque année devant 649. Les commissions permanentes. En tout cas, s'il est tombé de ma... Ah, pardon. Il est là. Il était juste tombé de ma table. Il n'était pas tombé tout court. Monsieur le rapporteur, 648. C'est un excellent amendement du rapporteur. Donc le numéro 648 qui propose que EDF doit aujourd'hui rendre compte chaque année devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique. Cet amendement prévoit que EDF rend également compte des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité, en particulier nucléaire, dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations. Madame la présidente Pompili, je pense que ça satisfera votre prise de parole initiale. Le Parlement gagnerait en effet à disposer de davantage de visibilité sur l'accompagnement social de ses salariés. En toute cohérence, cet amendement prévoit d'associer la commission des affaires sociales à la présentation du plan stratégique d'EDF. Monsieur le ministre d'État, votre avis sur le 648 ? Oui, je pense que les commissions de l'Assemblée peuvent évidemment auditionner les responsables d'EDF. On peut l'écrire néanmoins dans la loi si vous le souhaitez et ce serait donc un avis favorable. Monsieur Aubert. Oui, moi je m'interroge effectivement sur le fait que ce soit inscrit dans la loi. On va bientôt détailler dans la loi, point par point, ce que EDF doit dire lorsqu'il vient devant les commissions. Pour moi, si EDF vient mettre en place son plan stratégique, évidemment, la question d'accompagnement social doit être incluse. Donc je me dis si on doit modifier la loi à chaque fois pour dire « et il doit parler de ceci, et il doit parler de cela ». Alors il y a le petit point qui relève plutôt d'ailleurs de notre organisation interne, qui est d'associer la commission des affaires sociales, puisque à ma connaissance, c'est plutôt un choix, je dirais, d'organisation de l'Assemblée nationale. Donc je comprends bien l'objectif, mais je reste un peu dubitatif sur la chose, sauf à penser que les dernières années, EDF était totalement muet sur ce plan d'accompagnement social, et que donc ça procède, je dirais, d'une volonté de faire parler, entre guillemets, EDF sur l'avenir. Bien, je vais mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement, qui vote pour, qui vote contre. Il est adopté. Madame Pompili pour le 319. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un amendement qui est à l'initiative de ma collègue Émilie Cariou, qui appelle à la remise d'un rapport annuel à destination des parlementaires sur l'évolution du mix énergétique français en complément de la nécessaire élaboration de la PPE avec le Parlement. Ça participe à la construction d'un panorama à long terme du mix énergétique français en anticipant l'après-2035 et le déploiement des capacités en énergie renouvelable pour répondre à nos objectifs français et européens. Je rappelle qu'en 2017, Eurostat a rappelé le retard pris par la France dans ses objectifs de développement des ENR qu'il est urgent de rattraper. Et donc pour faire ça, on a besoin d'un rapport. Et je rappelle que la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire que nous avons menée l'année passée a rappelé l'urgence de s'inscrire dans une vision prospective pour répondre aux nécessités en termes de compétences et de main-d'œuvre. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure avec monsieur le rapporteur. C'est pourquoi d'ailleurs la commission du développement durable a acté la nécessité d'établir le calendrier précis des fermetures de réacteurs. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Défavorable. Il me semble que chaque année, le gouvernement publie déjà un bilan énergétique. Monsieur le ministre d'État. J'ai déjà répondu sur le même type de demande tout à l'heure, donc même avis défavorable. Monsieur Aubert, vous avez demandé la parole. Oui, je trouve que il y a la question de savoir si ce rapport viendrait compléter la longue collection de rapports qui servent des fois à caler les armoires
dans ce Parlement, mais partons du principe que les informations ne sont pas disponibles. Je trouve que dans ce cas-là, il faudrait être beaucoup plus précis. Parce que on voit bien qu'on essaye de connaître la date de fermeture de chaque réacteur et quelque part aussi donc une forme de visibilité spatio-temporelle pour le parc nucléaire. Mais dans ce cas-là, on doit appliquer la même méthodologie pour toutes les énergies renouvelables. Lorsqu'on dit qu'on va multiplier par X le potentiel éolien, très concrètement, où est-ce que ça va se faire ? Est-ce que les terrains sont disponibles ? C'est pas seulement d'ailleurs un sujet d'exposition au vent dans le terrestre, c'est un sujet d'acceptabilité sociale. Donc, très souvent, j'ai vu des plans merveilleux qui étaient faits uniquement en regardant le sujet du vent, alors qu'en réalité, dans la vraie vie, eh bien, vous étiez près de bâtiments historiques ou près de riverains qui faisaient des recours et que donc le projet ne se faisait pas. Donc, plutôt que d'établir quelque chose de tendanciel et de purement théorique, l'intérêt d'un tel document serait effectivement de comptabiliser les terrains disponibles, les endroits, la disposition, et d'articuler ceci avec les stratégies qui sont faites par les régions, parce que tout le monde fait sa petite transition énergétique dans son coin, mais on n'est pas certain qu'entre les objectifs nationaux et les objectifs régionaux, et parfois d'ailleurs les intercommunautés ou les communes qui essayent de contribuer à cette politique, on se retrouve forcément, et qu'il n'y ait pas des fois d'ailleurs des doublonnements ou des doublons dans l'utilisation des deniers publics. Oui, Monsieur Lambert. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas bien saisi de quel document existant actuellement répond à l'amendement ici présenté par nos collègues, et notamment Émilie Cariou et Barbara Pompili. Ben, on va vous répondre, Monsieur Lambert, puis après on va passer aux voix, parce que là on n'est plus à 18 à l'heure, là on est à 2 à l'heure, les amis. Monsieur le ministre d'État. Pour des rapports en plus. Il y a des sujets importants qui viennent. Vous savez tous, on peut les faire à 2h du matin. Moi, j'ai pas de problème. Et je pourrais vous citer la jurisprudence qu'avait un président de commission des lois dans le précédent mandat qui refusait systématiquement, qui donnait un avis défavorable systématique sur tous les rapports, parce qu'il disait si le Parlement veut faire des rapports, il n'a pas besoin de demander au gouvernement de les faire. Ce serait la meilleure preuve de l'évaluation, du pouvoir d'évaluation du Parlement. Mais, néanmoins, je le rappelle, tous les ans, RTE fait un rapport détaillé, on en demande même des rapports intermédiaires, et par ailleurs dans la PPE, il est prévu une clause de revoyure à 5 ans, donc de toute façon il y a aussi ça, et donc par ailleurs je vous invite, si je fais de la publicité gratuite pour une application gratuite et de service public qui s'appelle RTE Eco 2 Mix, que vous pouvez télécharger sur votre tablette ou sur votre téléphone portable, et vous aurez les données en temps réel cumulées sur le mix électrique, puisque telle était la demande. Bien, je vais mettre à voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Amendement identique, le 649 et le 561. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, exerce des actions notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestations de services, d'information et d'incitation dans un certain nombre de domaines, dont la lutte contre la pollution de l'air ou la réalisation d'économies d'énergie. Ne figure néanmoins pas parmi ses missions l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Cet amendement vise donc à préciser que les actions que l'ADEME exerce contribuent notamment à la lutte contre le réchauffement climatique. Madame Tienia. Oui, dans la même idée que Monsieur le rapporteur, nous proposons de clarifier le fait que la lutte contre le réchauffement climatique est bien l'une des missions de l'ADEME, ce qui est un aspect majeur de la transition écologique et énergétique. Monsieur le ministre d'État, sur ces deux amendements identiques. Avis favorable. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis favorable. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Adopté. Madame Kerpa, je pense, n'est pas là. On a des amendements soumis à discussion commune, en commençant par des identiques. Le 47, je pense, n'est pas défendu. Madame Bateau, pour le 513. Allez-y. C'est un amendement très important qui renvoie aux discussions qu'on a eues hier sur les émissions importées. Donc en fait, au stade actuel, la définition de la neutralité carbone qui a été adoptée hier, qui pose un certain nombre de problèmes, mais en fait, en ignorant le problème de l'empreinte carbone liée aux importations et donc à l'empreinte carbone de la consommation des Français,
Elle pourrait se traduire en fait par le fait que la France se satisfasse d'avoir atteint une neutralité carbone, alors même que son empreinte carbone se serait aggravée du fait notamment des délocalisations industrielles. Donc l'amendement, il propose d'intégrer dans la stratégie bas carbone des plafonds pour les émissions liées à l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions liées aux importations auxquelles on enlèverait les exportations. Monsieur le rapporteur. Je vais vous proposer un amendement, le 646, qui prévoit également des objectifs en matière de réduction. Il y a une discussion commune, excusez-moi. Donc j'ai, avant de vous lancer, j'ai le vôtre d'ailleurs, le 646. Allez-y. Excusez-moi, je vais me réveiller, moi aussi. Exactement. Cet amendement vise à inscrire donc dans les stratégies nationales bas carbone qui seront publiées à partir de 2022. Les objectifs de réduction de l'empreinte carbone, en plus des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire. L'empreinte carbone évalue les émissions de gaz à effet de serre induites par la consommation de la population résidant en France. À la différence des émissions produites sur le territoire, elle inclut les émissions de gaz à effet de serre associées aux biens et services importés et exclut celles associées aux biens et services exportés. Il est essentiel de se fixer comme objectif une baisse de notre empreinte carbone afin de réduire l'impact global de la consommation française sur le climat. La réduction de l'empreinte carbone passera notamment par des actions favorisant la production sur le territoire national si elle est moins émettrice en prévenant le risque de fuite de carbone. Madame Battistel, vous avez un sous-amendement 722. Monsieur Potier. Ah, monsieur Potier, pardon. Oui, merci. Vous savez qu'on aurait souhaité avoir un amendement qui soit accepté, qui porte sur la capacité d'un territoire à comptabiliser ses gaz à effet de serre, son empreinte carbone, sa production, sa consommation d'énergie. Encore une fois, c'est cohérent avec notre volonté de mobiliser tous les ressorts, ceux des citoyens dans la fabrique des énergies renouvelables, ceux des territoires dans l'imagination de solutions agiles et coopératives. Il n'y a pas de politique publique qui tienne s'il n'y a pas de comptabilité. Et autour des PCAET, l'idée que l'empreinte carbone soit mesurée par territoire, qui soit intercommunal, celui d'un schéma de cohérence territoriale, d'un PETR, d'un pays, peu importe, mais qu'une communauté humaine sur un territoire puisse mesurer l'effet de la puissance privée et publique à l'action et son effet sur l'empreinte carbone nous paraît être un levier de changement important, d'où sous ces amendements, à défaut d'avoir à ce stade pu déposer l'amendement sur la comptabilité territoriale. Merci, monsieur. Alors, je vais demander au rapporteur son avis sur le 513, puis son avis sur le sous-amendement de monsieur Potier. Donc, sur le 513 défavorable, celui de monsieur Potier, on aurait quand même des difficultés à territorialiser l'empreinte carbone d'un produit. Ça serait vraiment très, 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 très complexe. Déjà, arriver à connaître l'empreinte carbone. Je reprends toujours la métaphore de la tarte aux fraises qu'il ne faut absolument pas manger en hiver. Mais si vous voulez avoir l'empreinte carbone de votre tarte aux fraises que vous mangez en hiver, si vous commencez à régionaliser ou à territorialiser cette empreinte carbone, là on tombe dans des sujets d'une complexité importante. Monsieur le ministre, alors votre avis sur le 513, sur le sous-amendement et sur le 646 ? Alors, par rapport au 513, j'invite donc Madame Bateau à retirer son amendement au profit du 646 présenté par Monsieur le rapporteur, auquel je donne un avis favorable, et le même avis que Monsieur le rapporteur sur le sous-amendement, où ça me paraît beaucoup trop complexe de territorialiser cette empreinte carbone. Madame Bateau. Merci Monsieur le Président. C'est bien volontiers que j'eus retiré mon amendement au bénéfice de celui du rapporteur. Mais étant scrupuleuse, je lis les amendements qu'on nous propose de voter. Or, l'amendement du rapporteur, d'abord, il ne définit pas un plafond, mais des objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Bon, on pourrait avoir le débat technique sur le sujet. Mais surtout, il y a un grand 2. Et en fait, le grand 2, il est totalement contraire à ce qui a été voté hier. Vous avez souhaité inscrire dans la loi le fait qu'on était dans un état d'urgence écologique et climatique. Et là, en fait, le grand 2, il dit qu'on s'occupera de l'empreinte carbone des Français quand il y aura des gouvernements futurs et des majorités futures, c'est-à-dire après le 1er janvier 2022. Tandis que, en fait, il y a une nouvelle SNBC qui doit être prise par décret
au deuxième semestre 2019. Donc, en fait, si on veut se préoccuper de l'empreinte carbone de la nation, on le fait en 2019, on ne le fait pas après 2022. Alors, j'ai M. Aubert qui a demandé la parole. Écoutez, je dois dire que Mme Bateau a raison. Non, mais soit, si vous voulez... Bon, moi, je ne crois pas que cette division des émissions de gaz à effet de serre soit aussi facile que vous le pensez. Et donc, je méfie des moyens que vous mettez effectivement en œuvre. Et je vous dis que ça va coûter très cher. Et donc, il faudrait être beaucoup plus prudent. Néanmoins, à partir du moment où on vote une loi, je crois qu'elle doit être sincère. Et c'est trop facile de voter une loi qui donne des objectifs pour les autres. Parce que vos prédécesseurs ont fait la même chose. Et d'ailleurs, on leur avait dit. C'est très facile de dire, je décrète qu'en 2030, vous devrez faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que nous allons faire pendant un quinquennat où nous sommes élus et où chacun peut prendre ses responsabilités. Et donc, pour ces raisons, je crois qu'effectivement, si on inscrit ceci, eh bien, on ne doit pas considérer que les importations, les exportations de gaz à effet de serre, eh bien, c'est après 2022, c'est-à-dire après l'élection présidentielle, que le successeur du président actuel devra s'en occuper, montrer l'exemple et prenez donc effectivement le 1er janvier 2020, ce qui serait logique. Peut-être pas réaliste, mais en tout cas logique. Ouais, moi je vous ramènerai à notre discussion d'hier où tout le monde nous a expliqué qu'il fallait que toutes les méthodes soient scientifiquement démontrées, on puisse prouver chaque avancement. Ça nécessite du temps, ça nécessite de la réflexion, ça nécessite de stabiliser des méthodes de calcul. Partir sur 2019, c'est une échéance trop courte. Il faut l'horizon 2022 pour y arriver. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Monsieur Aubert, puis Madame Bateau. Moi, je veux bien, mais tout ça, ça se prouve. Pourquoi 2022 et pas 2021 ou 2023? Si vous êtes à ce point dans l'incertitude méthodologique, quels éléments avez-vous qui vous permettent de dire qu'il faudra 2 ans pour bâtir la méthodologie adéquate? La date de 2022 n'est pas une date anodine. C'est une date qui correspond à un certain calendrier. Donc, moi, je veux bien qu'on prenne l'argument, effectivement, considérant que nous ne sommes pas prêts et qu'on ait des experts qui nous disent « Ben voilà, on pense que la méthodologie va prendre 3 ans, 4 ans. Dans ce cas-là, on adapte. » Mais pourquoi une date au hasard? Allez-y. Non, il y a Madame Bateau, pardon. Oui, non, la méthodologie existe puisqu'on les chiffre chaque année, en fait, les émissions importées. Donc, il y a un rapport de l'ADEME, par exemple, qui dit que les émissions importées ont augmenté de 93% entre 1995 et 2015, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas dire qu'on part de rien et que rien n'existe. Monsieur le rapporteur. 2022 est peut-être une obsession électorale. 2022, c'est aussi un rendez-vous, celui de la stratégie nationale bas carbone. C'est pour ça qu'on a choisi 2022. Chacun ses obsessions, monsieur. Bon, je pense qu'on est suffisamment éclairé les débats, là, non? Monsieur Potier, vous voulez rajouter un peu? Allez. Non, je suis étonné sur la complexité territoriale. Je dis simplement que les PCAET, c'est l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, mesurer les flux sur un territoire et relier l'action territoriale à une action plus planétaire ou nationale me paraît pas complètement idiot. Donc, je le maintiens, quelque sorte, en appel pour permettre à la séance de retrouver à un endroit ou l'autre les moyens d'une mesure de l'effet de l'action territoriale. On est en train... Pardon ? Je ne suis pas sûr qu'on ait des chiffres d'importation par territoire en France. Enfin, je suis même sûr du contraire. Ça, c'est l'ancien statisticien qui parle. Encore une fois, à l'expérience d'un territoire qui s'est mobilisé très fortement là-dessus, on a des moyens de mesure pour comprendre l'action locale, y compris sur les modèles agricoles, sur l'effet de ce territoire, sur la planète, etc. Et c'est un élément sur les produits importés, moi, je vous dis juste qu'il n'y a pas de statistiques sur les produits importés par territoire en France. C'est tout ce que je dis. Là, on essaye de mesurer. Je veux pas me mettre dans l'empreinte des produits importés dans un territoire. Il faut pouvoir mesurer les produits importés en Charente, dans la Vienne. Et ça, c'est mesuré par les douanes, aux frontières. Et... On peut la ramener au prorata, bien sûr, vous le savez. Mais je reviendrai en séance avec une proposition peut-être plus construite. Je ne veux pas prolonger les débats à ce stade. Bien, donc je vais mettre aux voix le 513 qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre, il n'est pas adopté. Le sous-amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable, 722, qui vote pour, qui vote contre, pas adopté. Le 646 qui fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement, qui vote pour,
qui vote contre. Il est adopté. Monsieur Potier, Madame Matistel, le 504. Vous avez deux amendements en fait en discussion commune. Oui, 4 et 5. Monsieur le Président, je vais les défendre tous les deux. Donc le premier, le 504, c'est un amendement qui vise à mettre en œuvre la notion de budget carbone en fixant des plafonds définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation par ajout des émissions liées aux importations et retrait des émissions liées aux exportations. L'amendement 505 vise à définir également des plafonds pour les émissions de gaz à effet de serre, mais celui-ci est lié au transport international, en effet, qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte dans les objectifs nationaux de baisse ni dans les budgets carbone. C'est d'ailleurs l'un des angles morts de l'accord de Paris, alors que leur impact sur le dérèglement climatique ne cesse de croître. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements 4 et 5. 504, je pense que l'amendement qu'on a voté doit vous satisfaire. Et sur le 505, ces secteurs dépendent des discussions européennes et internationales. Je vous propose donc de le retravailler en vue de la séance, peut-être pour donner un caractère indicatif à ces budgets. Donc je demande de le retirer. Monsieur le ministre d'État. Oui, exactement la même explication et le même avis que monsieur le rapporteur sur les deux amendements. Vous les maintenez, vous les retirez ? Le premier, si monsieur le rapporteur me dit qu'il est satisfait, nous voulons bien le retirer. Par contre, pour le deuxième, on attend de monsieur le rapporteur qui nous associe au travail pour la séance. Dans ce cas-là, nous le retirons. Ok, donc ils sont tous les deux retirés. Le 562 n'est pas défendu. On a ensuite des amendements identiques. Monsieur Besson-Moreau, le 87. En fait, vous êtes tout seul. Le 583 n'est pas défendu. Allez-y. Nous ne sommes jamais tout seuls. Vous n'êtes pas tout seul. Merci, vous êtes monsieur plusieurs. Le président. Cet amendement vise qu'à compter du mais 31 vous décembre. Mais monsieur Fasquelle. Au 31 décembre 2022, que les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules à motorisation hybride essence proposent au moins un modèle de motorisation hybride essence E10 fonctionnant aussi et simultanément à l'essence E85. J'ai en beaucoup effet, réfléchi, mais le développement des biocarburants issus de production locale permet de répondre efficacement à la hausse des prix du carburant, de favoriser j'ai la beaucoup transition hésité, écologique, celui-là, Madame Bateau, je dois le reconnaître. Allez-y, pardon. Vers une mobilité bas carbone accessible et d'assurer le développement d'une filière ambitieuse, solide et enracinée dans ces territoires. Monsieur le rapporteur. Monsieur Besson-Moreau, je connais votre implication sur ces sujets de biocarburant, mais je ne suis pas favorable à votre amendement. Il me semble compliqué d'imposer certains types de modèles aux constructeurs. Je préfère en rester au principe de neutralité technologique. De plus, cette mesure est contrainte au droit européen. Elle empêcherait la quasi-totalité des constructeurs étrangers d'accéder au marché français. Donc je suis demandé de le retirer. Vous êtes défavorable. Alors, monsieur le ministre d'État. Oui, même avis que monsieur le rapporteur, puisque en l'occurrence, je vous rappelle quand même qu'il y a de nombreux constructeurs automobiles, y compris français, qui aujourd'hui n'ont pas de modèle hybride, de véritable modèle hybride. Donc notre premier objectif, c'est de diversifier les motorisations et par ailleurs, évidemment, de toujours permettre aussi la consommation de carburant mixte E10 ou E85 qui sont soutenus pour cela par la puissance publique, notamment à travers soit des subventions d'investissement, soit des taux de taxes intérieures sur les produits énergétiques plus bas. Monsieur Besson-Moreau. Alors, j'entends ce que vous me dites, monsieur le ministre et monsieur le rapporteur, mais je tiens quand même à expliquer que Renault ou Peugeot vendent des véhicules flex-fuel au Brésil, par exemple, ou en Amérique du Sud. Ce sont même d'ailleurs les leaders de la vente de véhicules flex-fuel là-bas. Donc, ils sont déjà des véhicules qui fonctionnent avec cette énergie-là, puisque c'est de l'essence, tout simplement. C'est juste une question de modification électronique. Et mon amendement, ce n'est pas demain qu'on souhaite passer à cette compatibilité. Je ne demande pas ce que tous les véhicules soient au super-éthanol. Je parle uniquement des véhicules hybrides qui fonctionnent au sans-plomb 95 pour qu'il y ait une compatibilité. Et cet amendement parle de 31 décembre 2022. Donc nous avons plus que le temps. Je tiens à rappeler quand même qu'on on donne des primes à la conversion pour des véhicules hybrides essence à énergie fossile. Donc à un moment donné, on doit peut-être réfléchir à ce que l'on fait et expliquer aux Français qu'on doit faire une transition écologique. C'est normal, mais que dans le mot transition écologique, il y a transition, et les aider à participer à cette transition en pouvant
faire le plein à 60 centimes du litre et payer le surplus de la batterie grâce à l'essence type superéthanol E85. Je pense que là, c'est vraiment un amendement mieux que gagnant-gagnant. On est gagnant-gagnant-gagnant. Gagnant pour les agriculteurs, gagnant pour le pouvoir d'achat et gagnant pour l'écologie. Bien. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose, non ? Bon. Allô ? Je vais donc... Ouais. Juste dire un mot qu'effectivement, pour le milieu agricole, c'est un sujet quand même qui est important. C'est-à-dire qu'on ouvre quand même un marché sur le bioéthanol, notamment celui à base de mélasse. Au moment où le sucre est en train de s'effondrer et vu les difficultés aujourd'hui du monde agricole, je pense que c'est un amendement qui pourrait être certainement bienvenu. Puis c'est quelque part aussi une mesure de protectionnisme. J'ai Madame Tienia qui a demandé la parole. Oui, Monsieur Besson-Moro, effectivement, la question des mobilités du futur, vous le savez, la plupart des députés sont engagés sur ce sujet. Et je rappelle qu'il y a eu un rapport de l'OPEX qui privilégie effectivement la neutralité technologique parce que c'est aussi une demande de nos industriels. Et qu'au cours de la loi LOM, il y a eu des discussions où la ministre elle-même a confirmé la neutralité technologique. Je ne pense pas que tous les véhicules à motorisation hybride ont la possibilité de mettre à disposition ces dispositifs. Et je pense aussi qu'ils les feront naturellement, puisque aujourd'hui, les industriels sont tous engagés dans cette démarche de mobilité propre. Donc, on est solidaire avec vous, mais on votera contre votre amendement. Monsieur Besson-Moro. Le prix aujourd'hui, il y a uniquement un seul industriel de l'automobile qui est capable de faire des véhicules hybrides E10, E85, qui s'appelle Ford. Et Ford annonce un surplus uniquement de 100 euros. Aujourd'hui, dans la loi Pacte, on privilégie le monde industriel et on cherche à développer le secteur de la batterie. Là, on a le moyen d'expliquer aux concitoyens qu'ils vont pouvoir enfin acheter un véhicule hybride et le rentabiliser en ayant la possibilité, s'il y a les stations-service disponibles, de faire le plein avec des énergies bio et renouvelables. Là, on est quand même vraiment dans du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc je ne comprends pas l'entêtement aujourd'hui que l'on a à ne pas vouloir développer une technologie que nous connaissons. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, hier, vous ne souhaitez pas bâtir sur des ruptures technologiques que nous ne connaissons pas. Eh bien là, on le connaît, c'est depuis 2007. Madame Bateau, puis madame de Lavergne. Oui. En fait, si on a le débat sur cet amendement dans la loi climat, alors qu'il a eu lieu dans la loi mobilité, je ne vois pas pourquoi tous les amendements, par exemple, que des collègues ont déposés sur la fin de la vente à énergie fossile, de véhicules à énergie fossile en 2030, la régulation des liaisons aériennes en raison de leurs émissions de CO2, etc., ne pourraient pas également être redéposées et rediscutées dans la loi énergie-climat. Donc, en fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une doctrine qui s'applique à tous les amendements et donc à tous les collègues sur ces sujets. Ok, mais là, je ne reviens pas là-dessus, désolé. Là. Madame de Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. J'entends mes arguments, chers collègues, mais je ne crois pas qu'on puisse... Enfin, je ne conçois pas qu'on puisse imposer aux industriels aujourd'hui un modèle dans leur offre, dans leur gamme de services et de leur imposer de le rendre rentable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imposer un modèle à des constructeurs me semble inadéquat, et d'autant plus que, comme l'a dit le rapporteur, il y a quand même un sujet au niveau de droit européen, peut-être qu'on pourrait le repréciser pour que l'ensemble des collègues soient éclairés, qui ne rend pas compatible cet amendement avec notre législation. Monsieur Besson-Moro, puis après je pense qu'on passera au vote. Merci Monsieur le Président. Je vais vous dire juste un mot, ma chère collègue, c'est que vous dites qu'on ne peut pas imposer, mais moi je vous le dis, on l'a déjà imposé. On leur demande d'interdire les moteurs thermiques en 2040, donc on leur impose une nouvelle technologie. Donc quand on veut réellement le faire, on peut le faire, et pour le faire, il faut juste lever le bras et voter pour cet amendement, c'est tout.
Monsieur le ministre, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais juste dire à Monsieur Besson-Moreau que je confirme ce que j'ai dit hier sur le fait qu'on n'avait pas une programmation pluriannuelle de l'énergie, quels que soient les secteurs fondés sur des ruptures technologiques que nous ne connaissions pas, et qu'en ce qui concerne les agrocarburants, parce que pour ma part, je préfère les appeler ainsi, les carburants d'origine agricole, ils sont déjà soutenus par la France, par l'Union européenne, puisqu'il y a des obligations d'incorporation, hein, 10% minimum, ça c'est pour ça qu'on l'appelle E10 maintenant. Et je vous rappelle, comme c'est, par rapport au gaz, on pourrait envisager ça, par exemple, sur le gaz. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein. Et deuxièmement, la filière est en expansion, puisque notamment depuis l'année dernière, la consommation de E85 a beaucoup augmenté et beaucoup de Français se sont équipés du boîtier d'adaptation sur les véhicules existants. Et c'est là qu'est vraiment le débouché majeur, plus que d'obliger une contrainte supplémentaire sur les véhicules hybrides essence électrique. Bien, je vais donc mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour ? Est-ce qu'on peut lever les mains bien haut, s'il vous plaît ? Qui vote contre ? Levez la main bien haut parce que vraiment, non mais bien haut là, allez, on garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'amendement est adopté. Amendement identique, 88. Ben en fait, 88, monsieur Besson-Moreau. Défendu. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, là, allez. Défavorable. Monsieur le ministre d'État, défavorable. 88. Excusez-moi, il a juste été défendu, donc l'avis est défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Le 89, monsieur Besson-Moreau. Le 173. Le 136. J'ai ensuite une discussion commune avec un amendement qui fait l'objet d'un sous-amendement. Madame Sarl, j'imagine ? Oui. Oui, monsieur le Président. Cet amendement, il a été travaillé de longue date par notre collègue Bénédicte Perrol avec Jean-Charles Colas-Roy. Et il vise à instaurer en droit français une démarche de budget vert, conformément aux annonces qui ont été faites, vous savez, suite au Conseil de défense écologique. Cette démarche, elle repose sur un rapport remis par le gouvernement au Parlement qui dresse une évaluation du budget au regard des objectifs de la France en matière d'environnement et de biodiversité. Ce rapport permet ainsi au Parlement de disposer d'une vision globale et précise des conséquences de l'action publique sur les stratégies de long terme définies au niveau national et international. C'est le même. Ok, j'ai monsieur le rapporteur qui a un sous-amendement. Oui, le sous-amendement vise à renforcer l'articulation de cet exercice avec celui du rapport financement de la transition écologique. Il prévoit la réalisation d'un premier rapport pour 2020 en préparation du projet de loi de finances 2012. En fait, il s'agit d'articuler convenablement entre les amendements de madame Sarl et le sous-amendement que je vous propose. Madame Panot pour le sous-amendement 706. Défendu. Et ensuite, vous avez l'amendement 391 qui est dans la discussion commune. Madame Panot également. Défendu aussi ? Ok. Donc, sur le 44, monsieur le rapporteur, j'imagine que vous l'imaginez sous-amendé par votre amendement. Exactement. Votre avis sur le sous-amendement 706 ? Défavorable. Et sur l'amendement 391 ? Défavorable. Monsieur le ministre, sur les deux sous-amendements d'abord. Alors, sur le sous-amendement 706 présenté par Madame Panot, avis défavorable. Le sous-amendement 699 présenté par Monsieur le rapporteur, avis de sagesse et favorable en l'occurrence. Et avis favorable à l'amendement CE44 présenté par Madame Sarl, s'il est sous-amendé. Voilà.
tel que vous l'avez dit. Et sur avis défavorable au 391. Ok, alors on se concentre. Monsieur Aubert, ça va nous permettre de nous concentrer. Allez-y, mais vite. Non, il n'y a pas de problème, je suis en pleine forme. Allez-y, vite. Allez, je vous donne un micro en plus, comme ça, c'est encore plus vite. Vous êtes trop bon, Monsieur le Président. Mais je suis, ma bonté n'a pas de limite. Je vois donc la place importante du Haut Conseil pour le climat, mais on parle quand même de cohérence sur le budget vert. Et donc, j'aurais souhaité interroger sur la place de la Cour des comptes dans ce dispositif. Je dis ça parce que, notamment, lorsqu'on essaye de voir les moyens, on a une commission d'enquête qui travaille sur ça en ce moment, on essaye de quantifier les ressources et les charges budgétaires. Nous avons auditionné des services, y compris au service du budget, qui n'étaient pas capables de nous donner un périmètre très précis. Alors, il existe un jaune budgétaire, effectivement, qui recense, mais on peut effectivement, en fonction, je dirais, des paramètres qu'on retient, inclure telle ou telle dépense, telle ou telle ressource, telle ou telle réduction de dépenses dans ce qu'on appellerait un budget vert. Et donc, ce serait bien que, effectivement, on soit à la lisière du climatique, mais aussi du budgétaire, et peut-être que une instance spécialisée sur les comptes puisse donner son avis également, parce qu'évidemment, en fonction des paramètres qu'on aura retenus, le budget sera différent. Bien. Je vais donc mettre d'abord le sous-amendement 699 qui fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Le sous-amendement 706 fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Le 44 sous-amendé qui fait l'objet d'un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Le 391 qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Amendement pouvant être soumis à discussion commune. Le 546, Madame Degois. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement d'appel sur trois points. Tandis que le projet de loi présente plusieurs horizons d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il n'apporte pas d'indication sur le coût pour atteindre ces objectifs. Pour illustration, le coût de la loi de 2015 a été estimé à 70 milliards d'euros dans une étude a posteriori, dont un peu moins de la moitié en taxes et impôts pour les Français et les entreprises à horizon 2030. Le deuxième point, aujourd'hui, il y a de nombreuses aides qui existent pour encourager la rénovation énergétique, mais nombre de nos concitoyens ne les connaissent pas. Il est aujourd'hui nécessaire de les rendre plus lisibles et visibles. Et le troisième point, enfin, un des engagements de campagne du président de la République était la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime immédiatement perceptible au moment des travaux pour permettre à ceux qui engagent des travaux d'être soutenus par l'État dès leur commencement et savoir l'avancée de vos travaux sur ce point. Merci. Madame, Monsieur Hert, pardon, 171. Oui, merci Monsieur le Président. Donc l'amendement 171 porte spécifiquement sur cette idée de transformer le crédit d'impôt transition énergétique en prime. Elle avait été envisagée pour 2019, elle a été repoussée. Ce que cet amendement demande en réalité, c'est d'éclairer le Parlement avant le 1er octobre 2019 sur les contraintes qui ont pesé sur le choix de repousser cette transformation, afin qu'au moment où nous examinerons le budget, nous ayons les éléments pour savoir quelles sont réellement les difficultés qu'il faut affronter pour réaliser cet engagement du gouvernement. Très bien. Monsieur Potry, je félicite vos sens du timing. Le 438, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur, nous observons aujourd'hui une croissance exponentielle des besoins énergétiques mondiaux. Le développement des énergies renouvelables est une nécessité. Mais à l'heure actuelle, les énergies solaires et éoliennes ne sont pas en capacité de couvrir nos besoins, particulièrement à l'heure où nous cherchons à développer les véhicules électriques. Nous devons donc identifier et développer de nouvelles sources d'énergie. En ce qui me concerne, je souhaiterais appeler votre attention sur une source d'énergie étonnamment méconnue, le thorium, et plus précisément son utilisation dans des réacteurs nucléaires à sel fondu. Je me suis intéressé à cette technologie en lisant un papier de Daniel Heuer, chercheur au CNRS, qui l'a décrit comme une énergie nucléaire plus propre et moins dangereuse. Selon lui, ce procédé serait d'autant plus intéressant que le thorium est présent en grande quantité en France et que l'on pourrait s'alimenter ainsi pendant des siècles. Le potentiel de cette technologie justifierait que l'on s'y intéresse de près. À l'heure actuelle, la recherche n'est pas suffisamment mature pour pouvoir établir les vertus du thorium avec certitude. C'est précisément la raison pour laquelle cet amendement vise à attirer votre attention sur le sujet et à encourager un renforcement de la recherche. Merci.
Bien, vous m'excuserez puisque cet amendement n'était pas en discussion commune avec les deux précédents. Donc, je vais d'abord terminer la discussion commune en demandant l'avis du rapporteur et du ministre sur le 546 et sur le 171. Alors, sur le 546, il est en partie satisfait par l'amendement sur le budget vert qu'on a voté précédemment. Et quant à la demande de rapport sur le CITE, votre serviteur avait fait la même demande l'année dernière et le gouvernement doit nous remettre un rapport avant le projet de loi de finances. Il est satisfait, je demanderai donc de le retirer. Monsieur le ministre d'État. Oui, même avis que monsieur le rapporteur sur l'amendement 546. Quant à l'amendement 171 qui a été défendu par monsieur Hert, en l'occurrence, je lui demande de le retirer parce que je pense qu'il est satisfait. J'ai notamment dit hier, donc je le redis aujourd'hui, qu'en effet, ce basculement du crédit d'impôt de transition énergétique vers un système de primes va se réaliser l'année, en l'occurrence sur 2020-2021, mais on aura l'occasion d'y revenir sans doute dans le reste du débat et dans le projet de loi de finances pour 2020. Monsieur Hert, vous le maintenez ? Il est retiré, Madame de Goy ? Aussi. Donc on arrive au 438, déjà défendu par M. Potry, sur lequel je vais demander l'avis du rapporteur et du gouvernement. Bon, moi j'ai déjà donné mon avis sur la volumétrie de rapports qui sont demandés, donc je laisserai au gouvernement me dire ce qu'il en pense, mais pour le moment ça serait défavorable. Monsieur le ministre d'État. Oui, j'y vois un appel plutôt à ce que la position soit donnée sur cette recherche qui a lieu sous la houlette du CNRS et donc... De notre point de vue, on peut dire qu'il est satisfait et qu'il n'est pas nécessaire de remettre un rapport sur le sujet. Donc je demande de retrait ou à défaut avis défavorable. Monsieur Potry. Merci. Madame Panot pour le 388. Ah, pardon, allez-y. Merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un amendement qui interroge sur la fuite en avant que nous sommes en train de prendre sur le développement des véhicules électriques. Cela fait plusieurs fois qu'en commission, nous alertons sur cette question. D'abord parce que lorsqu'on regarde les voitures électriques, elles auront tendance à être rechargées en heure pleine, c'est-à-dire en plein pic de consommation, ce qui semble particulièrement peu propice. Et... surtout, près de 35% du lithium produit sur la planète sert d'ores et déjà à fabriquer des batteries. Et donc, nous sommes en train de construire un modèle qui est déjà appuyé sur une ressource qui se raréfie et qui, en plus, demande pour son extraction énormément d'eau. Donc, je pense qu'il faut s'interroger et refuser d'aller vers cette fuite en avant qui est une fausse solution. Monsieur le rapporteur. C'est une demande de retrait ou à défaut... défavorable. Monsieur le ministre d'État. Oui, c'est la même argumentation. Je pense qu'on ne va pas ouvrir à cette occasion le débat sur la voiture électrique, d'autant plus que je vois dans votre exposé des motifs que vous dites dans un premier point que ce n'est pas suffisamment ambitieux et qu'ensuite 1,2 million de véhicules électriques, ce serait déjà trop. Donc bon, je crois que en l'occurrence, on pourra avoir le débat. Je pense qu'il a eu lieu sans doute dans la loi d'orientation des mobilités sur le développement de la voiture électrique qui est une des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, sur les consommations, elles peuvent être pilotées pour qu'elles ne soient pas au moment des heures de pointe. Et ça peut même servir de batterie tampon par rapport notamment aux énergies renouvelables. Madame Panot, vous le maintenez ? Je le mets donc aux voix avec un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons aux amendements à l'article 2. En application de la délégation sur le fonds que nous avons accordé à la commission du développement durable, ici représentée notamment par Madame la rapporteure Nathalie Sarne, sur cet article... Je vais demander à Madame la rapporteure de présenter ces amendements les uns après les autres. Nous pourrons évidemment en discuter, mais je pars du principe que les discussions ont déjà eu lieu de manière extensive au sein de la CDDAT. Nous nous sommes en revanche engagés à les voter à la sortie. Madame Sarl, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Juste pour rappel, le Président de la République a installé le mardi 27 novembre 2018 le Haut Conseil pour le Climat. Il est présidé par la climatologue franco-canadienne Corinne Le Quéret et il est composé d'experts de la science du climat, de l'économie, de l'agronomie et de la transition énergétique.
Et ce Haut Conseil est chargé d'apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat, le modèle s'inspirant du comité anglais, son équivalent, le comité, Committee for Climate Change, qui existe donc depuis 2012 au Royaume-Uni. Le Haut Conseil pour le climat va venir en lieu et en place, mais avec des missions nouvelles, pour remplacer donc le membre du comité d'experts pour la transition énergétique, avec, dans un décret donc, qui a été signé par le Premier ministre le 14 mai 2019, des missions qui lui sont définies et également un mode de fonctionnement. Cependant, notre commission, intéressée par le renouvellement que ce Haut Conseil peut apporter en termes d'expertise et puis aussi en termes de vision, sachant que ce Haut Conseil va devoir rendre un avis, non pas seulement un avis, mais si un avis sur la stratégie du gouvernement, mais également des recommandations et un rapport sur la politique menée, il nous a semblé important de faire remonter dans la loi un certain nombre de prérogatives qui lui avaient été transmises par décret et également de renforcer ses liens avec le Parlement, les modes de saisine qui lui sont conférés, et puis la façon dont on va pouvoir articuler les politiques nationales avec les politiques régionales. Aussi, je vais vous présenter donc les différents amendements que nous avons adoptés. Sur l'amendement 14, il est donc prévu que la personne qui exerce la présidence du Haut Conseil pour le climat soit auditionnée par les commissions permanentes chargées de l'environnement de l'Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination. C'est une nouvelle disposition que nous avons introduite dans la loi. Et dans cet amendement, nous avons également demandé à inscrire dans la loi, et non plus au niveau du décret, les garanties tenant à l'expertise et à l'indépendance des membres du Haut Conseil pour le climat, afin d'asseoir leur légitimité plus fortement, ainsi que cela a été pratiqué par exemple au Royaume-Uni et également dans d'autres pays comme en Norvège, au Danemark ou en Allemagne. Alors juste, est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cet amendement 14? Oui, monsieur Hert. Allez-y. Appuyez. Non, voilà. J'ai un peu des doutes sur la rédaction, donc c'est le Haut Conseil pour le climat, très bien. En revanche, préciser qu'il ne peut recevoir aucune instruction ou en demander au gouvernement me paraît plutôt correspondre à ce qu'on attendrait d'une haute autorité indépendante. Or là, on est dans le cadre d'un Haut Conseil. Alors, je ne sais pas, peut-être que je comprends pas bien, mais... Madame la rapporteure, allez-y. Ouais. L'idée de ce Haut Conseil, c'est que justement, il soit complètement indépendant et qu'il ne reçoive pas d'ordre du gouvernement. Si nous voulons à un moment qu'il ait un avis neutre et critique, hein, également sur les actions qui sont menées en termes de politique énergétique et climatique, eh bien, il faut que cet organisme soit indépendant. Alors qu'il s'appelle Haut Conseil ou qu'il s'appelle organisme, je ne sais pas quelle est l'importance, mais en tout cas, ce qui est écrit dans ces missions, et ce que nous rappelons ici dans le texte, c'est qu'il est indépendant. Monsieur Aubert, puis monsieur Orphelin. Oui, moi j'avais deux questions. La première, c'est par rapport à l'Académie des sciences. Est-ce qu'il y a eu une réflexion en ces dates pour savoir si on ne devrait pas aussi, parce qu'on a une expertise qui existe, donc on aurait pu peut-être s'appuyer dessus. Et puis deuxièmement, alors vous parlez de l'indépendance, mais vous dites qu'il y a une durée de mandat qui est renouvelable. De mon point de vue, la meilleure manière d'assurer l'indépendance de quelqu'un qui est nommé, c'est de faire en sorte qu'il ait un mandat long et qu'il ne soit pas renouvelable, ce qui fait que de toute façon, il n'a pas, à un moment donné, la nécessité de repasser devant une autorité politique de nomination. Et je me serais attendu à ce qu'on dise, parce que, en plus, si on prend des personnalités qui ont une expertise scientifique, c'est une expertise qui ne dure pas 5 ou 10 ans. Ce sont par définition des gens qui sont sur le long terme. Et donc, ce serait plutôt intéressant. Je prends par exemple, imaginons, un Jean Jouzel. On le nomme au Conseil. C'est quand même dommage, au bout de 10 ans, de lui dire, écoutez, monsieur, il faut absolument passer à quelqu'un d'autre. On risque d'avoir une personnalité peut-être moins au fait des sujets. Donc, on aurait pu éventuellement penser des mandats plus longs et pas renouvelables. Bien. Oui, il y avait monsieur Orphelin, pardon. Allez-y. Oui, très rapidement, cette question de l'indépendance du Haut Conseil pour le climat, elle est fondamentale. C'est pour ça qu'on en a discuté, qu'on en discute là. Je crois que ce serait important et ce serait
une bonne chose aussi pour le gouvernement et en premier lieu pour le gouvernement qu'on puisse réfléchir, j'en avais parlé hier, à ce que ça devienne une autorité indépendante. Ça rassurerait l'ensemble des acteurs, ça crédibiliserait son indépendance et par ailleurs ça nous permettrait d'avoir une ligne budgétaire dans le PLF et de suivre les moyens qui sont affectés. On a entendu l'engagement de la secrétaire d'État en commission du développement durable, 1 million d'euros et 6 ETP de mémoire, c'est peut-être ça les moyens de la première année, mais si on avait une autorité indépendante réelle, ça nous permettrait de suivre dans le PLF les moyens affectés au Conseil pour le climat dont on a tant besoin. Merci. Alors, Madame la rapporteure. Donc je réponds d'abord à Monsieur Aubert et ensuite à Monsieur Orphelin. Donc Monsieur Aubert, effectivement, il est intéressant d'avoir des académiciens, mais si vous regardez la composition de ce Haut Conseil, il y a également des économistes, il y a également des spécialistes de l'agriculture, il y a donc des climatologues, et ce ne sont pas seulement des scientifiques, mais il y a également des consultants qui agissent donc dans des cabinets de conseil et qui ont vraiment une vision sur cette stratégie-là. Et deuxièmement, par rapport à la durée, je crois que quand on inscrit dans la loi que la durée du mandat est de 5 ans renouvelable une fois, ça veut dire 10 ans, c'est quand même un mandat qui est, me semble-t-il, relativement long. Et en tout cas, je peux vous dire qu'en Angleterre, il fonctionne comme ça et que le renouvellement aussi de ses membres, a priori, apporte aussi beaucoup au comité. Monsieur Orphelin, concernant votre demande, nous en avions également parlé, le fait de constituer une autorité indépendante administrative, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est un problème budgétaire, parce qu'aujourd'hui, si on le créait ainsi dans la loi, ce serait de retoquer, parce que ça créerait une charge nouvelle. Donc on ne peut pas le faire au titre donc, de l'article 40. Et ensuite, créer une nouvelle autorité administrative indépendante, ça demande de passer par une loi organique. Et donc là aussi, ça n'est pas à l'heure actuelle. Nous ne pouvons pas le faire. Bien, je vous rappelle qu'on s'est engagé à voter, donc c'est bien discuté. Je n'en doute pas qu'on discutera de tout ça en séance aussi. Donc on peut avoir les arguments et puis ensuite aller assez vite au vote. Je vous propose donc de voter l'amendement 14. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Le 15, Madame Sarne. Oui, l'amendement numéro 15. J'aurais pu vous demander votre avis. Ah, pardon, monsieur le rapporteur n'a pas donné son avis. Non, monsieur le ministre, rapport. En l'occurrence, c'était nous considérons que ce n'était pas forcément nécessaire de le mettre dans la loi, mais un avis de sagesse que nous partageons les objets. Ça tombe bien ce qu'il a été voté, monsieur le ministre. Merci pour votre sagesse. Pardon, le 15. Tout comme nous avons eu les réflexions plusieurs fois entre nous sur le rôle du Parlement dans la politique énergétique de la France et aussi dans la PPE, nous avons souhaité définir au niveau législatif le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat ainsi que les modalités de réponse qui seront apportées à ces recommandations. Ainsi, nous prévoyons dans cet amendement numéro 15 que le président du Haut Conseil soit auditionné par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, à l'occasion justement de la remise de ce rapport annuel. Et enfin, il est proposé que le gouvernement réponde à ces recommandations et propositions du rapport et donc que ces préconisations ne soient pas laissées sans suite. Les avis du rapporteur et du ministre rapidement. Monsieur le ministre, sagesse. Allez-y. Également un avis favorable, c'est ce que nous avions prévu d'ailleurs de mettre dans le décret. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Je le mets aux voix. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Le 16, Madame la rapporteure. Allez-y. Oui, donc j'en viens à l'article 16. L'article 16 traite des modalités de saisine du Haut Conseil pour le climat et il vise également à préciser le champ de cette saisine. Donc il précise que le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le gouvernement. Il peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, pardon, ou bien il peut s'auto-saisir pour rendre rapport sur un projet ou sur une proposition de loi, ou d'ailleurs sur des questions sectorielles, en particulier sur des questions qui sont relatives au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Oui, nous n'aurions pas forcément inscrit le mot, l'expression « en particulier » qui nous paraît un peu restrictive, mais sinon ce sera sagesse. Et peut-être qu'on pourra en séance du coup l'affiner.
Monsieur Aubert. Quand on dit que le Haut Conseil peut être saisi par le gouvernement, ça veut dire n'importe quel ministre ? Ça veut dire le Premier ministre ? Ça veut dire le ministre de l'écologie ? Madame la rapporteure. Monsieur Aubert, quand on dit le gouvernement, c'est le gouvernement, donc le gouvernement ou un membre du gouvernement. En l'occurrence, il est placé sous l'autorité du Premier ministre, mais j'ai envie de vous dire, si un membre du gouvernement veut le saisir, voilà, ça n'est pas spécifique. Quand on dit le gouvernement, c'est au sens large. Monsieur Aubert. Non, parce que c'est... Non, mais je merci de m'expliquer ce qu'est un gouvernement, c'est gentil. Bah, c'était mais, un peu votre non, question, mais sauf quand même. Que, mais malheureusement, si vous voulez, le droit, c'est le droit. C'est que quand on parle de saisine d'une instance... C'est pas la même chose de l'ouvrir à 40 personnes ou de l'ouvrir à une seule personne. Et donc, quand on dit le gouvernement, ça veut dire n'importe quel ministre, y compris un ministre qui n'a aucun lien avec le climat ou l'écologie. Donc, je pose la question parce que le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, c'est clair. Mais je note que le gouvernement, donc tous les ministres ont la possibilité de le faire. En revanche, par exemple, 60 députés ou 60 sénateurs de l'opposition, par exemple, n'auraient pas le droit de saisir le Haut Climat. Le Conseil pour le climat. Et donc, en réalité, ben, lorsque vous avez, par exemple, une unité de couleur politique entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement, ce qui est déjà arrivé dans notre histoire, l'opposition parlementaire n'a strictement aucun moyen de saisir ce Conseil sur des sujets. Donc, quelque part, il est un peu exclu. Donc, je le regrette. Moi, ce que je vous propose, M. Aubert, si vous souhaitez déposer des amendements pour la séance en ce sens, il n'y a pas de problème. Je trouve pour ma part plutôt intéressant que le Haut Conseil puisse être saisi par le gouvernement, si c'est sur une question qui est relative à l'éducation, que ce soit relatif au budget, que ce soit relatif à l'économie, mais qui ont un impact, hein, des politiques sectorielles qui ont un impact sur le climat, sur la biodiversité. Pourquoi un membre du gouvernement ne pourrait-il pas le saisir? Je pense que c'est plutôt une richesse. Bien. Je vais le mettre aux voix, sachant évidemment, la rapporteure l'a rappelé, qu'on peut toujours déposer des amendements pour la séance. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté le 17. C'est un amendement rédactionnel ? Oui, les deux, le 17 et le 18, sont des amendements rédactionnels. Et le 19, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, c'est un amendement de coordination. Parce que vous savez que, je vous l'ai dit, en créant le Haut Conseil, on supprime le comité d'experts. Et donc, c'est ce que vise l'amendement numéro 19. Donc, messieurs Auban, votre avis sur ces trois amendements, deux rédactionnels, un de coordination ? Vas-y. Favorable. Et en effet, Madame Sarl a bien fait de le préciser, car certains s'en inquiétaient. En même temps qu'a été créé ce Haut Conseil, une autre instance a été supprimée. Bien, je mets donc aux voix l'amendement 17. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté le 18 et le 19. Même avis, même vote. Je mets aux voix l'article 2, qui vote pour... Non, il y a le... C'est après. Qui vote pour ? Qui vote contre ? L'article 2 est adopté. J'ai ensuite un article additionnel après l'article 2. Madame Sarl, vous avez la parole, c'est l'amendement numéro 20. Oui, Monsieur le Président, là encore, je l'annonçais en propos liminaire. Toujours, nous avons eu un souci plusieurs fois pendant la commission du développement durable, lorsque nous avons étudié ce texte, de nous demander comment nous pouvions à un moment nous assurer que les politiques régionales, puisque les régions ont aussi des prérogatives en termes d'énergie et d'environnement, pouvaient être en adéquation avec la stratégie nationale. Ainsi, dans l'amendement 20, l'amendement propose donc aux régions, à l'occasion donc de la rédaction du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité de territoire, de prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat sur la politique climatique et environnementale. Attention, là, il ne s'agit pas de forcer les régions à revoir leur SRADET et à leur demander d'avoir des contraintes supplémentaires. En revanche, dans la mesure où ces SRADET sont en cours d'élaboration et où il y a un avis annuel du Haut Conseil, nous pensons qu'il est intéressant d'écrire que les avis du Haut Conseil soient également considérés par les schémas régionaux. Merci. Messieurs Auban, monsieur le rapporteur. Allez-y. Avis de sagesse. Je mets donc aux voix cet article additionnel. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Je manque un peu de jus, messieurs. Merci. J'imagine qu'on passe à l'article 3. Merci. Avec un amendement de suppression de l'article qui, je pense, n'est pas défendu. On passe à des amendements identiques. Monsieur Orphelin.
Merci. La fermeture des quatre centrales à charbon est une mesure qui va avoir des impacts importants pour la baisse des émissions de CO2, c'est les émissions de 4 millions de voitures. Je proposerai plus tard un amendement pour renforcer l'accompagnement des territoires, des salariés, des entreprises, des sous-traitants pour assurer cette conversion. L'amendement ici présenté vise à sécuriser cette fermeture de centrales à charbon, notamment pour, j'entends bien qu'on souhaite garder la possibilité d'avoir recours à une ou d'autres de ces centrales pour des questions de gestion de la pointe, mais je trouve que la formule actuelle du projet de loi est trop large. Il n'y a par exemple pas un nombre d'heures maximum indiqué pour cette utilisation de centrales à charbon pour gérer la pointe. Et puis par ailleurs, il y a des projets, j'en avais discuté quand j'étais encore directeur à l'ADEME, de reconversion du site sur de la bicombustion, notamment à Cordemais, plusieurs hypothèses qui avaient été envisagées, des combustibles solides de récupération par exemple, de la biomasse, et c'est le projet qui est poussé par un certain nombre de personnes, salariés, syndicats de salariés, etc. Mais moi je reste là aussi pas persuadé qu'un projet de bicombustion biomasse charbon, même avec une part très importante de biomasse, soit ce qu'on est le mieux à faire pour de la production d'électricité seule. Ce serait de la cogénération, pourquoi pas. Mais là, voilà. Donc cet amendement pose question à la fois sur comment on peut mieux sécuriser l'usage éventuel pour de la pointe. On l'a su le faire à Cordemais, monsieur le ministre le sait bien, avec les tranches à fioul, notamment, qui ont été laissées sous cloche pendant assez longtemps à Cordemais pour être éventuellement aussi réutilisé à certains moments. Mais voilà, je pense qu'il faut s'engager plus résolument dans la fermeture de ces quatre centrales à charbon. Merci. Madame Bateau, il y a un amendement identique. Oui, le 436. Oui. Comme le veut une certaine formule, quand c'est flou, il y a un loup. Et malgré l'intention qui est bonne du gouvernement d'avancer ce qui était prévu en 2023-2022, c'est-à-dire la fermeture des centrales à charbon, en fait, la rédaction actuelle de l'alinéa 4 du projet de loi, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est l'autorité administrative qui décidera ce qu'il en est. Donc c'est une sorte de dessaisissement du Parlement. Et il me semble qu'il faut inscrire dans la loi la fermeture des centrales à charbon au 1er janvier 2022. Monsieur le rapporteur. Je serais défavorable aux deux amendements. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le président, juste un petit point de situation sur par rapport à ces deux amendements sur la fermeture des centrales à charbon, sachant que, comme ils n'ont pas été défendus, on n'a pas vu qu'il y avait quand même un amendement qui demandait, au contraire, que cet article soit supprimé, hein, et donc que les fermetures de centrales à charbon n'aient pas lieu. Je le rappelle quand même, parce qu'il ne faudrait pas croire qu'il y a toujours des gens qui veulent toujours plus d'ambition en matière de climat. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont le pied sur le frein quand même, hein. Je le rappelle, dès qu'on rentre dans le concret, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent reporter à plus tard et ailleurs les efforts. En l'occurrence, nous le faisons en 3 ans. Je crois que c'est quand même très volontariste pour garantir par ailleurs la sécurité d'approvisionnement en électricité. Quant à l'interrogation de M. Orphelin sur le projet EcoCombust, je crois avoir donné déjà beaucoup d'indications publiquement, mais je veux bien le refaire. Il est très clair que nous avons demandé à EDF, parce que c'est un projet EDF aujourd'hui, pour Cordemais, de répondre à une série de questions, y compris par rapport à la qualité de l'air, enfin, au risque de pollution de l'air, etc., sur la matière première, si on peut dire utilisée, etc., etc. Pour l'instant, nous n'avons pas les réponses à ces questions. Par ailleurs, nous avons écarté totalement, je le redis, un tarif d'achat. Donc ça n'a rien à voir avec Gardanne, par exemple, où il y a actuellement une tentative de tranche bois. Donc c'est, pour l'instant, il n'y a aucune raison, contrairement à ce que disent certaines associations, je sais que ce n'est pas votre propos, M. Orphelin, mais de dire que en fait, le gouvernement veut maintenir les centrales à charbon. Franchement, pour nous, c'est un objectif majeur dans les 3 années qui viennent. Et le fait de l'inscrire dans la loi, c'est la meilleure garantie, avec un plafond qui est quand même très très bas, c'est la meilleure garantie que ces centrales à charbon ne tourneront plus en France. Oui, Madame Bateau. Mais en fait, Monsieur le Ministre, pardonnez-moi, mais précisément, il n'y a pas de plafond dans la loi. La rédaction qui est là, il n'y a pas de plafond dans la loi. Voilà.
Ce que dit la loi là, c'est que vous aurez le droit de fixer un plafond. Mais il n'y a pas de plafond dans la loi. Et donc, les choses ne sont pas claires. C'est-à-dire, est-ce que, comme le suggérait tout à l'heure Mathieu Orphelin, c'est qu'en fait, les prévisions de RTE, c'était 2023, et que... mais il faudrait que les choses soient claires, et qu'il y ait une espèce de marge de flexibilité pour pouvoir continuer à faire tourner les centrales à charbon un certain nombre d'heures en cas de... Je ne sais pas, je pose des questions. Est-ce que c'est à cause du projet Ecocombus de Cordemais? Moi aussi, je suis contre ce projet. Voilà, les choses ne sont pas claires. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Simplement, on a demandé à RTE un rapport complémentaire pour vérifier que la fermeture des centrales à charbon était compatible, dans les 3 ans, était compatible avec la sécurité d'approvisionnement en électricité de la France. Moi, je suis désolé de le rappeler, mais d'ailleurs, j'en suis pas du tout désolé. En réalité, c'est une clause de style. Je suis toujours, en tant que ministre de l'énergie, chargé de l'énergie, évidemment le garant pour les Français de la sécurité d'approvisionnement en électricité. On ne ferme pas des centrales sans s'être assuré de ce point. Enfin, c'est quand même quelque chose, ou alors on dit aux Français, demain on ferme les centrales, puis on verra bien comment ça se passe. Donc le rapport de RTE, complémentaire, qui a testé différentes hypothèses, différentes situations limites, etc., dit on peut le faire. Il y a un chemin, et c'est ce chemin que nous empruntons, avec des mesures sur la production d'électricité d'un côté, et avec d'autres mesures sur la consommation d'un autre côté. Toutes ces mesures seront activées. Le projet Ecocombis, je le dis, je le redis, je le re-redis et je le re-redirai autant de fois qu'il le faudra, ce n'est pas le cheval de Troie d'une poursuite du fonctionnement de la centrale à charbon. C'est bien ce que me reprochent les syndicats CGT de l'énergie. Madame Bateau, vous êtes allée défiler avec la CGT en Isère sur les barrages hydroélectriques, alors demandez-leur et vous verrez quelle est leur réponse sur la centrale de Cordemais. Parce que moi, je me confronte aux réalités à Cordemais, au Havre, à Saint-Avold et à Gardanne. Et croyez-moi, cette réalité, c'est pas une réalité facile sur la fermeture des centrales à charbon. Hein, demandez à M. Lambert ce qu'il en est de Gardanne et ou à Mme Pétel ou à d'autres députés. Il y en a qui sont même fait séquestrer. Hein, voilà. Donc c'est là, j'étais vendredi dernier à Saint-Nazaire et il y avait les dockers de Saint-Nazaire qui m'ont empêché d'accéder à une usine parce qu'ils ne veulent, justement, ils me reprochent de fermer la centrale à charbon de Cordemais. Donc à un moment donné, le procès d'intention permanent, ça ne fait pas progresser le débat politique. Bien, alors j'ai Monsieur Orphelin, Madame Bateau, et ensuite je vais passer au vote, sauf s'il y a une prise de parole différente qui souhaite s'exprimer, parce que je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour de ce sujet. Monsieur Orphelin, Madame Bateau. Je voudrais qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je ne remets en rien en cause l'engagement du gouvernement de fermer les 4 centrales à charbon. Hein, je redis juste que ce que je proposais dans l'amendement permet de sécuriser cet engagement-là. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est les associations qui m'ont soufflé. Donc vous le maintenez ? Vous pouvez le retirer. Oui, vous le maintenez. Donc, Madame Bateau. Moi, je vais inviter Monsieur le ministre à me parler sur un autre ton. Je vais inviter Monsieur le ministre à me parler sur un autre ton, parce que certainement que son énervement contre moi est lié au fait que j'ai peut-être mis le doigt là où ça fait mal. Mais en tout cas, je n'ai, je pense, aucune leçon de courage à recevoir. Moi, je me confronte aux réalités. Bien, donc je voudrais qu'on garde la sérénité qui... je pense, règne depuis maintenant un peu plus de 24 heures dans l'extension des débats, qui n'exclut pas de temps en temps de pouvoir exprimer des émotions sur des sujets difficiles, qui sont l'accompagnement des territoires difficiles. Donc, je vais... Non, mais... Ouais, bon, donc, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que c'est absolument pas une question d'émotion, c'est une question... Moi, je ne laisserai pas indéfiniment le gouvernement se faire marcher sur les pieds par des gens qui passent leur temps à faire du dénigrement, qui n'ont jamais fermé... Je parle pas de vous, Madame Bateau, hein, mais des associations qui passent leur temps à dénigrer tout ce qu'on fait, des gens qui ont demandé la centrale de Fessenheim, quand on le fait, ils ne sont même pas capables de le saluer. Ils demandent de fermer les centrales à charbon, quand on le fait, ils sont pas capables de le saluer et ils nous soupçonnent en permanence. Moi, je le dis et je le redis avec fermeté, parce que oui, j'ai des convictions fermes et bien ancrées et je les défends. Et je défends la politique que nous menons et qui est soutenue par cette majorité. Et bien, et je renvoie les gens en 2022, au moment des élections, pour le bilan. Eh bien oui, l'ère du soupçon permanent et du procès d'intention permanent, ça ne sert pas le débat politique, ni sur le climat, ni sur aucun autre sujet. Donc je veux mettre aux voix ces deux amendements qui font l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement, qui votent pour,
qui votent contre. Ils ne sont pas adoptés. Ils ne sont peut-être pas adaptés non plus, mais ça, c'est pas à moi d'en juger. Monsieur le rapporteur, 685. Rédactionnel. Peut-être, peut-être. Sur cet amendement rédactionnel, monsieur le ministre d'État. Amendement rédactionnel. Favorable. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Monsieur le rapporteur, 682, cohérent juridique. Monsieur le ministre. Favorable. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Monsieur Dive pour le 137. Allez-y. Merci, monsieur le président. Oui, monsieur le ministre, il s'agit de préciser que le délai de plafond, en tout cas, est établi de façon à laisser un délai suffisant pour accompagner les sites qui sont concernés, les quatre sites, les quatre centrales, au moment de la fermeture. Et je rappelle, sur les quatre sites, il y en a deux qui appartiennent à un grand groupe français qui a 150 000 emplois et qui pourront proposer des mesures de reclassement, et un autre site, deux autres sites qui appartiennent à une entreprise qui a en effectif à peu près 500 emplois, et pour qui les deux centrales représentent la moitié des effectifs. Et l'idée, c'est pas, on sait bien, on connaît le sens de l'histoire, la volonté et l'orientation que vous avez précisé tout à l'heure, et les délais volontaristes que vous avez rappelés, mais c'est d'accompagner ces entreprises, un, sur la transition industrielle des sites, avec les acteurs locaux, et deux, d'accompagner aussi la transition, le reclassement et toutes les conséquences sociales que cela pourra avoir. Donc il s'agit de simplement compléter cet alinéa 4. Je rappelle que l'Allemagne a aussi fait des annonces sur la fermeture de ses centrales à charbon, mais se laisse, alors c'est peut-être certes moins volontariste, se laisse 20 ans, 2038, mais met les moyens sur la table, on parle de plusieurs milliards d'euros pour accompagner les sites. Donc là aussi, il est important, peut-être pas de s'inspirer des délais de l'Allemagne, mais de s'inspirer des mesures d'accompagnement de nos voisins. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Dive, moi je partage votre préoccupation. L'ayant moi-même vécu sur mon territoire avec la fermeture d'une centrale thermique fuel carbonée, celle d'Aramon, je note néanmoins que les concertations ont déjà bien commencé, notamment avec l'aide du délégué interministériel à l'avenir du territoire de Fessenheim et des territoires d'implantation des centrales de production. L'article 3 prévoit que le gouvernement a 6 mois pour prendre l'ordonnance permettant l'accompagnement social des salariés. Si ce projet de loi est adopté à l'automne, l'ordonnance paraîtra mi-2020, ce qui laisse 1 an et demi pour organiser concrètement l'accompagnement des salariés et des territoires. C'est un véritable défi, mais un défi réaliste. Si on accompagne suffisamment les collectivités et les habitants, d'autant que ces territoires pourront s'appuyer sur ce qui s'est fait et ce qu'il se fait dans d'autres territoires, comme à Aramon ou Fessenheim. Monsieur le ministre. Oui, je saluais le propos de Monsieur Dive et lui dire que le sujet est parfaitement pris en compte, que nous considérons que dans la mesure où nous avons commencé ce travail dès l'automne dernier, d'ici 2022, cela nous laisse totalement le temps de mener à bien cet accompagnement social et territorial. Il y a d'ailleurs des dispositions dans la loi pour cela. Accompagnement social des salariés, par ailleurs suivi de l'entreprise, en effet, Uniper qui exploite deux des sites concernés, Saint-Avold et Gardanne. Avec EDF, nous sommes également en lien et il y aura un reclassement systématique au sein du groupe EDF. Et par ailleurs, accompagnement territorial avec les collectivités locales concernées. Et à chaque fois, d'ailleurs, c'est un traitement différencié parce qu'à chaque fois, la situation est différente. Mais cela permet tout à fait la fermeture de ces quatre centrales à charbon d'ici 2022. Et au passage, je le dis quand même, il y a des projets concrets, y compris de transition énergétique. C'est à peu près la même tranche de temps où on ferme la centrale de Cordemay en Loire-Atlantique et où le parc éolien offshore de Saint-Nazaire va ouvrir. À Gardanne en Provence, il y a aussi d'autres projets, notamment d'éolien offshore flottant, et ainsi de suite. Monsieur Aubert, vous avez la parole. Puisque vous évoquez l'offshore flottant, monsieur le ministre, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'avais compris que la PPE, justement, limitait considérablement les perspectives de l'éolien flottant en disant que la construction du parc pourrait se faire soit en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit dans la région Occitanie. Il n'y avait pas de la place pour avoir deux sites. Donc, première question, en vous entendant, vous écoutant,
J'ai l'impression que pour vous, le projet est acté. Alors, ce serait une très bonne nouvelle, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a un peu de fil d'embouteillage. Et puis, deuxièmement, êtes-vous certain que le personnel qui est frappé par l'évolution du site de Gardanne soit exactement le même qui, demain, va travailler dans l'éolien offshore? Question qui vaut d'ailleurs pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi pour Saint-Nazaire. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on veut transformer on parle de personnels qui sont totalement différents, qui ont des cultures différentes, et ce sont des métiers différents. Merci, Monsieur Lambert. Merci, Monsieur le Président. Que député de Gardanne, je reconfirme au micro que je vais accompagner la décision du gouvernement sur la base du symbole que peut être la fermeture de centrales à charbon électrique. Je rappelle tout de même que la semaine dernière, le gouvernement et la majorité nous ont refusé le même symbole sur le kérosène. Donc il y a deux poids, deux mesures. Quand vous êtes un ouvrier d'une province lointaine, on vous sacrifie votre avenir pour l'intérêt, et je ne le nie pas, de notre diplomatie et la capacité notamment à notre président de la République de pouvoir peser sur des pays comme l'Allemagne ou la Pologne qui génèrent des gaz à effet de serre dans leur production électrique. Mais quand il faut avoir le même symbole sur les vols intérieurs en fiscalisant tout simplement le kérosène, en rajoutant 11 euros sur un Paris-Marseille, eh bien là, il n'y a plus de symbole, il n'y a plus de majorité. Donc je souhaite rappeler qu'il y a vraiment, vraiment des hommes et des femmes derrière et tout un territoire qui va souffrir. Simplement, je voudrais aussi exprimer au nom de tous les élus, tous bords confondus de ce territoire, que nous sommes très déçus de la dynamique mise en place pour régénérer ce qui deviendra après 2022 dans ce territoire. Nous n'avons pas de projet. J'en entends certains annoncer à ce micro que je ne connaissais même pas la semaine dernière. Nous ne voyons rien de concret arriver. Nous n'avons pas de stratégie posée. Donc, à un moment donné, nous aurons aussi à avoir des moyens majeurs pour accompagner ces territoires. Et je finirai, Monsieur le Président, merci. Oui. Sur un point, n'oubliez pas qu'il y a des moyens à mettre en œuvre. On en parlera plus tard sur l'accompagnement de ceux qui laisseront leur avenir familial, professionnel, dans ce choix que nous ferons à l'Assemblée nationale. Bien, je n'ai donc pas d'autres prises de parole. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté. Madame Panot, le 624, elle n'est pas défendue, pardon. Monsieur le rapporteur, le 651. Est-ce que vous me permettez de laisser M. Zulesi défendre le sien? J'en suis sûr qu'il sera très heureux de le faire. M. Zulesi, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président, merci M. le rapporteur. Très rapidement, c'est un amendement qui est, pour tout vous dire, un amendement de repli par rapport à l'amendement qui va arriver juste après, puisque c'est un amendement qui vise à préciser que les modalités, notamment de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone par mégawatt, soit défini par Water, vous avez raison, soit défini par décret. L'objectif, c'est d'offrir beaucoup plus de souplesse et d'engager une véritable discussion avec les acteurs industriels concernés, notamment, je le dis parce que j'ai travaillé avec ArcelorMittal sur le sujet, afin d'adapter au mieux le dispositif prévu à l'article 3 aux réalités de leur activité. Monsieur le ministre d'État, sur ces deux amendements identiques. Par rapport à cette demande, la disposition permettra effectivement de préciser parmi les modalités de calcul que les gaz sidérurgiques par nature fatale ne sont pas soumis à cette disposition et ça s'agit donc d'une précision utile. Avis favorable. Ils sont identiques, donc je vais les mettre aux voix avec un avis favorable du gouvernement. Je parle bien du 491 et du 651. Qui vote pour? Qui vote contre? Non, j'ai compris. Donc ces deux amendements identiques sont adoptés. Le 494, du coup, tombe et on passe au 554 de Madame Bateau. Pardon, mais les amendements qui viennent d'être adoptés
modifie l'alinéa 5. Donc l'amendement suivant qui complétait l'alinéa 5 tombe. En revanche, le vote qui vient après l'alinéa 5 est toujours présent. Donc vous pouvez défendre le 554. Oui, donc c'est une nouvelle souplesse qui est insérée dans le dispositif. Donc les amendements qui viennent d'être adoptés. Le 554. En fait, donc la question n'est pas un débat sur les soupçons ou les pas soupçons. On est dans un débat sur la loi et de savoir ce qu'elle autorise ou ce qu'elle interdit. En l'occurrence, l'article 3, tel qu'il est rédigé, il autorise une part de poursuite de fonctionnement des centrales à charbon, peut-être en mode dégradé, et il autorise aussi le projet éco-combuste. Or, la Cour des comptes indique que le rendement énergétique des centrales biomasse destinées à produire exclusivement de l'électricité est systématiquement inférieur à 40%. Et la perspective de reconversion des centrales à charbon en centrales biomasse pour faire de l'électricité est une aberration écologique que d'ailleurs l'État avait en quelque sorte prononcée dans la PPE, puisque la PPE dit « l'État n'accordera pas de soutien financier pour les projets de production d'électricité à partir de biomasse ». Et M. le ministre a d'ailleurs précisé qu'il n'y aurait pas de tarif de rachat. Mais là, ce que propose de cet amendement, c'est qu'il n'y ait pas d'autorisation d'exploiter pour de la production d'électricité exclusivement sans cogénération à partir de biomasse. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. La biomasse est une ressource rare. Je partage votre volonté de donner des orientations claires pour l'orienter en priorité vers les usages où elle est le plus efficace. Pour le biogaz, la priorité doit être donnée à l'injection du biométhane. Pour le bois, la priorité doit être donnée à l'utilisation en chaleur dans un réseau de chaleur. Néanmoins, interdire tout projet de production d'électricité à partir de biomasse ne me paraît pas pertinent. Il y a des cas très spécifiques où la cogénération peut être pertinente, notamment pour les installations de production éloignées des réseaux de gaz. Donc, je suis donc défavorable. Monsieur le ministre d'État. Oui, même avis que monsieur le rapporteur. Je tiens à préciser la position du gouvernement qui, ne souhaite plus soutenir la production d'électricité par le biomasse, puisqu'il y a eu par le passé non seulement des projets, mais des contrats avec des tarifs d'achat. Et monsieur Lambert le sait bien, parce que tout à l'heure, il a fait une longue tirade pour laisser entendre, là aussi, qu'on laissait tomber les ouvriers de Gardanne, alors que, j'ai pas très bien compris d'ailleurs la comparaison entre les ouvriers de Gardanne et les gens qui prennent l'avion, etc. Bon, par ailleurs, les ouvriers de Gardanne, ils sont pas à l'est de la centrale, ils sont pas dans un endroit, quand vous dites, comme si c'était un territoire, vous avez dit dans la presse, ou un endroit, territoire reculé. Non, c'est dans la deuxième métropole de France. En l'occurrence, je ne vous laisserai pas dire qu'on les abandonne, puisqu'on travaille d'arrache-pied avec les élus locaux, les acteurs sociaux lorsqu'ils le souhaitent. Et vous êtes bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours facile à Gardanne. C'est un euphémisme pour qu'il y ait des reconversions. En revanche, je vous reconnais une constance dans votre opposition, monsieur Lambert, à la production d'électricité avec du bois à Gardanne. Ça, c'est le passé. Il y a eu un contrat qui a été signé à l'époque, sous le précédent gouvernement, avec un tarif d'achat, je crois, de plus de 130 euros le mégawattheure. Ça, nous ne le ferons plus. C'est clair, c'est net, c'est précis. On ne va pas remettre en cause un contrat qui a été signé par le précédent gouvernement. Il fait l'objet de recours, d'ailleurs. Et donc, on ne souhaite pas, comme l'a dit monsieur le rapporteur, en revanche, on aille à l'interdiction totale, parce qu'il peut y avoir des cas à la marge où ça peut être, malgré tout, sur tel ou tel territoire. D'ailleurs, d'autres députés l'ont défendu à d'autres moments dans la discussion, marginalement utile. Mais notre politique, c'est clair, c'est d'utiliser la biomasse pour les réseaux de chaleur. Avis défavorable. Demande de retrait ou à défaut. Est-ce qu'il est maintenu, Madame Bateau? Donc, Monsieur Lambert, vous avez la parole. On va essayer de faire vite. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne suis pas certain d'avoir tenu les propos que vous avez donnés au début de votre intervention, mais je vous remercie sur la seconde partie de rappeler ma constance par rapport à l'aberration de consommer tout le bois disponible entre la frontière espagnole et la frontière italienne, 800 000 tonnes de bois qu'on peut collecter dans un seul site à Gardanne pour 30% de rendement énergétique. Et c'est-à-dire que sur 3 arbres collectés, 2 servent à chauffer l'atmosphère. C'est un contrat qui est issu
et il faut le rappeler, du gouvernement sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas été annulé par le gouvernement suivant et qui est aujourd'hui confirmé avec un tarif de rachat. J'invite mes collègues, qui n'écoutent pas trop, mais on est en affaire écho, j'invite mes collègues à entendre le chiffre que monsieur le ministre vient de donner, 130 euros le mégawattheure de rachat quand nous venons de valider de l'offshore à combien, monsieur le ministre, de mémoire, 50 euros le mégawattheure. Donc nous avons actuellement un projet à 30% de rendement énergétique qui consommera tout le bois de la frontière espagnole à la frontière italienne et que nous payons à 130 euros le mégawattheure quand nous venons de valider l'offshore éolien à 50 euros le mégawattheure. Donc à un moment donné, même si c'est un contrat qui a été signé, je pense qu'il faudra trouver les moyens pour ne pas gaspiller 1,4 milliard d'euros, parce que c'est exactement le montant, plus que Notre-Dame, la restauration de Notre-Dame de Paris, pour produire quoi ? 30% d'électricité avec tout le bois disponible de la frontière espagnole à la frontière italienne. Merci, on va essayer d'éviter de mobiliser Notre-Dame de Paris dans ce projet de loi. Il est déjà suffisamment vaste comme ça. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui vote pour, qui vote contre. Il n'est pas adopté. Amendement identique, le 138, monsieur Dive. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Puisque l'État, vous l'avez dit, monsieur le ministre, annonce clairement via le gouvernement qu'il va fermer et qu'il souhaite fermer les 4 centrales à charbon, et comme l'a rappelé monsieur le rapporteur tout à l'heure, dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi, il y aurait des mesures d'accompagnement pour les 4 sites. Ce qui est important de préciser, c'est que justement, sur les mises en place, c'est bien l'État, clairement il annonce les choses, mais que l'État annonce aussi clairement qu'il accompagnera les sites, que ce soit dans la transition industrielle, que ce soit dans les reclassements, mais que ce soit écrit noir sur blanc dans la loi, monsieur le ministre, pas pareil, ainsi que les collectivités, parce que comme le disait fort justement Julien Aubert tout à l'heure, un métier, des métiers qu'il y aura sur les potentiels projets, comme les projets éoliens offshore, ne seront probablement pas les mêmes que ceux qu'il y a aujourd'hui sur les centrales à charbon. Et donc il faudra accompagner dans la formation peut-être les personnels en place. Et vous savez, la formation est aussi une des compétences des collectivités, particulièrement la région. Donc appeler clairement et écrire clairement l'accompagnement, le rôle de l'État et celui des collectivités n'est pas insensé au regard des enjeux qu'il y a sur les sites. Monsieur Lambert. Merci monsieur le Président. Donc cet amendement vise à préciser que l'État et les collectivités locales sont responsables des mesures d'accompagnement et des financements ad hoc par rapport à la fermeture et aux conséquences, notamment pour les salariés, de la fin de leur activité sur ces centrales à charbon. Monsieur le rapporteur. Défavorable pour les deux. Monsieur le ministre. Oui, avis défavorable parce que je pense qu'en l'occurrence, l'adoption de votre amendement conduirait à restreindre le champ de l'ordonnance aux mesures relevant de l'État et des collectivités territoriales, alors que nous voulons impliquer aussi d'autres acteurs que l'État et les collectivités locales. Je le mets aux voix avec un avis défavorable. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. On va faire une discussion commune qui commence par des amendements identiques, dont le 139. Monsieur Di, vous avez la parole. Il est défendu, monsieur le président. Je ne pense pas que le suivant soit défendu. Le 567, Madame Tienia. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à préciser que le reclassement des salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon se fera en priorité dans le bassin d'emploi concerné. C'est un amendement de notre collègue Madame Zanier qui n'a pas pu être avec nous ce soir pour un problème familial, mais elle a travaillé cet amendement avec des acteurs locaux, notamment les syndicats. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Moi, je salue, comme vient de le faire Madame Tiegna, l'investissement de Madame Zanier qui a ce sujet donc à Saint-Avold. Et qui a beaucoup travaillé avec les représentations syndicales qui les a reçues. Et notre conversation donc avec Mme Zanier a été précieuse sur mes réflexions sur ce projet de loi. Et je la remercie, même si elle n'est pas là, mais favorable. Oui, avis favorable, Monsieur le ministre. Avis également favorable, puisque cela prend en compte le fait que certaines entreprises ont des salariés qui travaillent à 100% dans la centrale, alors qu'ils ne sont pas salariés de l'opérateur. Et donc, en effet, ce qu'a souhaité apporter Mme Zanier est tout à fait positif. Avis favorable du gouvernement.
Alors, j'avais pas demandé à M. Lambert de défendre le 4-5-5. Vous pouvez le faire si vous voulez, sachant que. Je voulais juste exprimer que je souhaite et je suis satisfait de voir l'avis favorable du rapporteur et de M. le ministre. Et donc, qu'effectivement, mon amendement va tomber, mais va tomber par satisfaction de la réussite, je n'ose imaginer le contraire, du vote qui va suivre. Bien, je vais donc mettre aux voix le 139 et identique qui font l'objet d'un avis favorable du rapporteur et du gouvernement, qui votent pour, qui votent contre, ils sont adoptés. Effectivement, le suivant tombe. Tout le monde est satisfait. Monsieur Cellier, le 650. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à préciser qu'un accompagnement spécifique doit être prévu pour l'ensemble de la chaîne de sous-traitance et non pas seulement, comme pourrait le laisser penser la rédaction actuelle de l'alinéa 8 de cet article, pour les sous-traitants de rang 1 des centrales à charbon. Monsieur le ministre. C'est un avis de sagesse. Je pense que la rédaction qui vient d'être adoptée couvre déjà une bonne partie de la réalité, mais c'est encore plus explicite. Monsieur Orphelin. Oui, j'avais un amendement 198 qui est plus tard et qui était sur les mêmes questions, donc je le retirerai tout à l'heure si celui-là est adopté. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis de sagesse, voire favorable. Oui, monsieur Lambert. Une question. Quand vous parlez de sous-traitance, vous allez jusqu'au docker dans le cadre de la sous-traitance, ce qui traite la réception et l'expédition du charbon. Allez-y, si vous voulez répondre. Oui, bah, je pense pas. Les dockers ne sont pas à proprement parler des sous-traitants, puisqu'ils peuvent travailler sur différentes choses, mais en l'occurrence, bien évidemment, que la préoccupation des dockers est intégrée dans les ports concernés que sont Le Havre, Marseille, Fos et Nantes-Saint-Nazaire. D'ailleurs, les dockers ne manquent pas de nous le rappeler, y compris par des moyens qui ne sont pas toujours des moyens tout à fait corrects dans la lutte syndicale. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis favorable, qui vote pour, qui vote contre. Ils sont adoptés. Discussion commune avec, je pense, le premier amendement qui n'est pas défendu, donc le 456, monsieur Lambert. Très rapidement, c'est être beaucoup plus clair dans l'obligation. Remplacer viseront notamment à favoriser par favoriseront. Donc c'est un engagement clair pour le reclassement des emplois vers des emplois durables de ces salariés. J'ai le 34 est identique. Alors, Madame Degoua, monsieur. Madame Potel, je vous avais pas vu, pardon, allez-y. Oui. Elle était cachée derrière Monsieur Kasbarian. Ben oui, Monsieur Kasbarian est. Voilà, et plus large que... et plus large que moi. Je t'ai rien dit. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un amendement un petit peu similaire, mais qui renforce le propos. Et il s'agit donc de remplacer « viseront notamment à favoriser » par « favoriseront notamment », de façon à ce que la rédaction renforce en fait l'engagement pris de l'accompagnement et du reclassement des salariés concernés par ces mesures. Monsieur Dive, lui, qui est bien visible et qui considère que l'amendement a été bien défendu. J'ai ensuite... Le 429 qui ne l'est pas. Je pense que le 290 ne l'est pas non plus. Et donc, je vais demander l'avis du rapporteur et du gouvernement sur le 456, puis sur le 34 est identique. Oui. Donc, sur le 456 et 400. Même le... 456, oui. On est d'accord. Oui. Et d'ailleurs, même le 52, ça serait une demande de retrait au profit du 34 et du 140 de Mme Pétel et M. Dive. Monsieur le ministre. Même demande de retrait pour le 52-456 au profit du 34 qui a été présenté par Mme Pétel. Monsieur Lambert, vous le retirez ou vous le maintenez ? Défendu. Non, est-ce que vous le retirez ou est-ce que vous le maintenez, le 456 ? Ah, pardon, oui. Oui, ben, je le maintiens. Je le maintiens. Ok, donc je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Je mets ensuite le 34 et identique 140 avec un avis favorable. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Ensuite, j'ai le 454, c'est pas celui qu'on a entendu ? Non, c'est ça.
454, puisque le 431 n'est pas défendu. Monsieur Lambert. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Votre micro, allez-y, vas-y, c'est bon. Demande de retrait. Monsieur le ministre. Même avis. Monsieur Lambert, vous le maintenez ? Je le retire, Président. Je vais ensuite à une discussion commune qui commence par le 141 identique, Monsieur Diff, puis Monsieur Lambert. Merci, Monsieur le Président. Oui, il s'agit de bien sûr préciser dans la loi que les mesures d'accompagnement favoriseront bien sûr en priorité les territoires, enfin les reclassements sur les territoires concernés, c'est-à-dire sur les mêmes bassins d'emploi. J'ai ensuite le 33 et 568, Madame Petel. Appuyez. Oui, c'est un amendement qui est identique, où il est question de rassurer aussi les salariés sur le fait qu'ils seront reclassés en priorité dans le bassin d'emploi concerné. Ça fait partie d'une de leurs inquiétudes. Madame Tienia, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, c'est dans le même ordre d'idée que Madame Petel, et nous savons combien nous sommes aussi attachés au devenir des salariés qui sont impactés par la fermeture des centrales. Et le 569, Madame Battistel. Oui, Monsieur le Président, cet amendement va exactement dans le même sens et il vise à protéger un emploi alternatif à proximité du lieu de résidence. Merci. Alors, les avis du rapporteur d'abord sur le 141 et 453. Défavorable au profit du 612 et 568 avec la notion de bassin d'emploi concerné. Et donc défavorable aussi sur le 569. Exactement. Bon, très bien. Monsieur le ministre d'État. Oui, sur les amendements donc 141, 453, avis défavorable. Le 33 qui a été défendu par Madame Petel notamment. Bon, moi, je considère que de fait, c'est déjà satisfait dans la réalité, parce que tout processus de reclassement commence toujours en priorité par le bassin d'emploi concerné. Néanmoins, avis de sagesse. Et le 569. Bah, je pense que si le 33 était adopté, il satisferait encore plus, même si, encore une fois, je le redis, systématiquement, tous les processus de reclassement favorisent toujours en premier lieu à la proximité par rapport au bassin d'emploi et de travail concerné. Bon, je précise qu'il tombera si les précédents sont adoptés. Voilà. Alors, 141 maintenu, Monsieur Div ? Retiré. Monsieur Lambert ? Maintenu. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Le 33 est identique. Ils font l'objet d'un avis favorable. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Le 569 tombe. Je passe ensuite au 142. Monsieur Dive. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit là d'aborder la question du statut des IEG, des industries électriques et gazières, puisqu'il s'agit d'accompagner justement les emplois sur site, qu'il s'agit de tenir compte des spécificités et de les amener vers un emploi durable. Il s'agit aussi de tenir compte dans les mesures d'accompagnement de leur statut, qui confère un certain nombre de spécificités, de caractéristiques différentes de celui du régime général, et en l'occurrence de le préciser là aussi dans la loi. Monsieur Lambert. Brillamment par mon collègue. Monsieur le rapporteur. Demande de retrait sur cet amendement. Le projet de loi a pour objectif de mettre en place un accompagnement spécifique, comme il est écrit, pour tous les salariés des centrales à charbon, quel que soit leur statut. Monsieur le ministre d'État. Même avis défavorable. Monsieur Dive. Oui, enfin, je pense que mes collègues pourraient le dire aussi, mais ils sont tous IEG sur ces sites-là, monsieur le rapporteur. Et donc ? Donc il est maintenu, mais pour préciser, est-ce que, enfin, la contrario de ce qu'a dit monsieur le rapporteur, le statut des salariés de ces sites-là est celui des IEG. Donc en l'occurrence, il s'agit de tenir compte de ces spécificités. Oui, mais on a adopté un... Allez-y, monsieur le ministre. Non, mais
c'est l'occasion de parler, on en reparlera sans doute en séance, des processus de reconversion professionnelle, de reclassement. J'en profite pour répondre à Monsieur Aubert, évidemment, on ne dit pas que tout le monde va passer directement d'une centrale à charbon à la production d'éoliennes, ça ne se passe jamais comme ça, un processus de reclassement, il y a de la formation, il y a de l'analyse de situation individuelle, etc. Bien évidemment, on peut penser que les salariés qui ont le statut EG, ils ne l'ont pas tous, puisqu'il y a des entreprises qui sont intervenantes dans le site qui n'ont pas, où les salariés n'ont pas le statut IEG. En revanche, les salariés d'EDF ou d'Uniper ont le statut IEG. Bien sûr qu'ils chercheront à être reclassés avec ce même statut, mais peut-être qu'ils accepteront aussi d'autres offres d'emploi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis sûr que Mme Zanier aurait pu en parler si elle avait été présente. Sur le bassin de Saint-Avold, il y a différentes entreprises de chimiques, il y a le groupe Total. Je pense qu'il y a des salariés qui accepteraient de travailler dans le groupe Total, qui n'a pas le statut UEG, mais qui a d'autres conventions collectives qui sont aussi très intéressantes. Ben voilà, c'est ça. Donc le sujet, ce n'est pas d'écrire dans la loi cela. Bien sûr qu'on en tiendra compte, mais ça n'est pas du domaine de la loi. Enfin, je crois qu'à un moment donné, on ne décrit pas dans la loi. Il n'y a aucune entreprise pour laquelle on décrit dans la loi le fait, le plan de reconversion. Ça n'existe pas. Par ailleurs, monsieur Cellier, monsieur le rapporteur l'a dit tout à l'heure, je rappelle que c'est la première fois que l'on fait pour une des fermetures de centrales thermiques un processus d'accompagnement social et territorial. Moi, je peux vous le dire, à Cordemais, en Loire-Atlantique, il y avait deux tranches fioul, elles ont fermé, il n'y a pas eu le moindre processus d'accompagnement social et territorial sur la fermeture de ces deux tranches. Monsieur Cellier a donné un exemple dans le Gard, il y a la centrale de Porcheville dans les Yvelines, demandez aux élus de Porcheville, fermeture complète, aucun processus d'accompagnement social et territorial. C'est la première fois que nous le faisons, on ne va pas décrire le plan qui au final sera négocié dans la loi. Monsieur Dive, je le mets aux voix. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement, qui vote pour, qui vote contre. Pas adopté. Monsieur Potier ou Madame Matissel, le 570. Alors, c'est sur le même sujet. C'est un amendement de notre collègue Potier qui souhaitait de favoriser la reconversion des salariés dans le domaine des ENR lorsqu'ils le souhaitaient. Mais monsieur le ministre a répondu précédemment. J'imagine que la réponse sera identique. Monsieur Bolo. Défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable dans les deux cas. J'ai pas entendu. C'est ça. Monsieur le ministre. C'est le premier satisfait qu'il y ait ce type de reconversion, mais il n'y a pas lieu de le préciser dans la loi, donc défavorable. Il est retiré. Monsieur, Madame Matistel, vous le maintenez ? Oui, bah, je vais le maintenir. Donc, je vais le mettre parce que Monsieur Potier n'est pas là pour me le. Donc je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable. Le suivant a été retiré par Monsieur Bolo. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il n'est pas adopté. Le 53, je pense, n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, le 652. Je précise que j'envisage d'arrêter l'examen pour ce soir, à l'article 3, et on reprendra après l'article 3, après la rupture du jeûne. Monsieur Cellier. Il est essentiel de prévoir un dispositif de formation adéquat au bénéfice des salariés qui verraient leur emploi supprimé à la suite des fermetures de centrales à charbon. On est encore une fois dans l'anticipation de cette fermeture. Et l'accompagnement, comme l'a précisé M. le ministre d'État, il faut en effet donner tous les moyens à ces salariés de s'adapter à leur nouvel emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Je fais partie de ceux qui pensent que la formation est un outil nécessaire et qu'il doit faire partie des mesures d'accompagnement. Monsieur le ministre, sur le 652. Avis de sagesse. Comme je l'ai déjà dit, je pense que ça fait partie du dispositif. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis de sagesse du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Discussion commune. Le premier n'est pas défendu. Le 567. Madame Tienia. L'amendement vise à préciser que les ordonnances prévues par l'article 3 du projet de loi préciseront les modalités de financement des dispositifs visant à favoriser l'accompagnement et la reconversion des salariés. C'est encore un amendement identique à celle de Mme Zanier qui n'est pas là ce soir. Monsieur Lambert, pour le 450. Et il s'agit de compléter l'alinéa 9. L'ordonnance détaille également les modalités de financement de l'accompagnement spécifique visé au premier alinéa du présent 2.
Et effectivement, c'est pour renforcer la capacité à accompagner dans ce dispositif les salariés qui n'auront plus d'emploi. Monsieur le rapporteur, le 567. Je serai donc favorable au 567 et défavorable, même s'il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux, au 450. Monsieur le ministre d'État. Oui, c'était en l'occurrence un avis de sagesse. Je vais donc mettre aux voix le 567 qui fait l'objet d'un avis favorable du rapporteur et de sagesse du gouvernement qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Et le 450 qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et de sagesse du gouvernement qui vote pour, qui vote contre, il était tombé, me dit-on. Bon. Madame Potel, le 32. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit de compléter donc l'alinéa 9 par la phrase suivante. S'agissant des salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent 2, il sera tenu compte de la nécessité d'effectuer un reclassement en priorité au sein d'entreprises proposant des emplois à durée indéterminée. Nous l'avons dit et redit effectivement, le fait que l'annonce de la fermeture ait été faite par le prédécesseur du ministre qui est ici sans faire état d'un accompagnement à l'époque a suscité beaucoup d'inquiétudes. Donc c'est heureux qu'aujourd'hui, monsieur le ministre souhaite cet accompagnement social et territorial et qu'il le fasse. Néanmoins, dans l'alinéa 9, il est noté emploi durable. Après l'avoir demandé, emploi durable chez Pôle emploi, ça n'est pas forcément un emploi à durée indéterminée. Donc j'aurais souhaité que ce soit cité nommément, donc emploi à durée indéterminée. Monsieur le rapporteur. Allez-y. Merci. Je pense que les engagements du ministre sont très clairs depuis tout à l'heure. Il ne faut pas trop rajouter de contraintes quant à la définition et à la manière à laquelle doit s'opérer le reclassement des salariés. La priorité doit être de reclasser les salariés, sur un emploi qui soit durable et si possible dans le même bassin d'emploi. Donc, Monsieur le ministre. Oui, j'aurais dit un petit peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Je pense que les contours de tout ce qui touchera à au reclassement, à la reconversion, n'a pas à être introduit dans la loi. C'est pour ça que je demanderai un retrait et sinon un avis défavorable, sachant qu'évidemment c'est toujours la priorité quand c'est la demande des salariés qu'on leur propose en priorité des contrats à durée indéterminée. Merci Madame Potel, vous le maintenez ? Non, je le retire. Merci. Monsieur Dive pour le 144. Monsieur Lambert pour le 449. Merci, cher collègue Dive. Merci, Monsieur le Président. Afin de donner des garanties et de la visibilité aux salariés concernés, l'article 3 devrait prévoir dès à présent les orientations qui seront développées dans l'ordonnance, puisque nous passons par ordonnance. Le présent amendement encadre donc mieux le contenu de l'habilitation à légiférer par ordonnance. Voilà l'objet de cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur. Une demande de retrait car les possibilités de reclassement des IEG au sein de la branche relèvent des compétences de la branche et non de l'État. L'accompagnement doit bien concerner l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut. Monsieur le ministre. Oui, c'est aussi l'orientation du gouvernement de privilégier au sein de la branche pour les salariés qu'ils souhaitent, parce qu'il y en a qui pourraient avoir un projet professionnel autre. Là aussi, il ne m'apparaît pas logique de le mettre dans la loi. C'est pour ça que c'est un avis défavorable. Monsieur Di, vous le maintenez ? Monsieur Lambert, aussi ? Oui ? Je le mets aux voix alors avec un avis défavorable du rapporteur du gouvernement qui vote pour, qui vote contre. Ils ne sont pas adoptés. Le 433 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, le 653, le 654, s'il vous plaît. Cet amendement vise à associer, donc pour le 653, davantage le Parlement à la mise en œuvre de l'accompagnement des salariés impactés par la fermeture des centrales à charbon. Il prévoit une présentation par le gouvernement de la mise en œuvre de l'ordonnance un an après sa publication, ainsi qu'une évaluation de cette mise en œuvre par le Parlement. Il est essentiel que le Parlement puisse avoir un regard attentif sur l'accompagnement des territoires et des salariés au-delà du débat qui auront lieu lors du vote de la loi de ratification de l'ordonnance. Monsieur le ministre d'État, sur ces deux amendements,
Oui, vous connaissez mon point de vue sur les amendements demandant des rapports. Néanmoins, je vois bien l'intention qu'il y ait un suivi et qu'il y ait un suivi régulier. Et c'est notre intention. Nous avons d'ailleurs des groupes, j'allais dire, de travail territoire par territoire. Donc, avis de sagesse. Alors, on n'est pas forcément obligé de formellement choisir entre les deux, mais quand même. Hein. Il y en a un qui demande un rapport et l'autre qui demande une présentation. Il y en a un qui demande un débat public, l'autre qui ne la demande pas. On peut faire les deux, hein, formellement, mais je pense que c'est l'insulte et l'injure. Est-ce que vous choisissez À choisir, je préfère le 653 où le gouvernement viendra devant la représentation nationale. Donc le 654 est retiré. Parfait. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis de sagesse du gouvernement qui vote pour, vote contre. Il est adopté. Monsieur Dive, le 143. Il est retiré, monsieur le président. Puisque les précédents viennent de satisfaire. Ok, le suivant, monsieur Bolo, le 466. Très vite, c'est pour permettre, mais non, je le retire, parce que tout à l'heure, il est dans la même ligne, donc ça n'a aucun intérêt. Je vais donc mettre aux voix l'article 3, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient. L'article 3 est adopté. Nous reprendrons, pour des raisons d'organisation d'agenda d'hiver, à 21h45. Avec les dispositions suivantes. Et donc, je vous souhaite un bon et long appétit pour une fois. 119 amendements examinés ce soir, 221 au total examinés depuis hier. Nous n'en sommes pas encore à la moitié. Il reste à examiner 280 amendements. Donc, un conseil, mangez léger. À tout à l'heure. Je demande au commissaire de la commission des affaires économiques de rester pour 10 minutes. Merci. Bon, bah donc ce sera un peu moins long pour les commissaires de la République en marche.